Et bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la saison 2, épisode 6 de Chronologie des femmes artistes. Comme toujours, on est jeudi soir, il est 21h, un peu plus, mais il est 21h. On est là, toujours fidèle au poste, donc 13 bis et moi Nibbler. Pour vous faire partager des découvertes et des pérégrinations dans des parcours de femmes artistes à travers les siècles, à travers les pays, à travers les techniques. On continue donc le but. Quel est le but de ce stream? C'est de compléter une chronologie, une frise chronologique plus particulièrement. Donc pour compléter cette frise, qu'est-ce qu'on fait? On vous présente des parcours de femmes artistes, on prend leur page Wikipédia, on lit la page Wikipédia ensemble, enfin vous lisez, je le lis, vous m'écoutez, comme vous voulez. On cherche la date de première monstration, donc le premier moment où on a pu découvrir le travail de l'artiste en question, et c'est cette date-là qu'on va mettre dans la frise chronologique. Pour les petites précisions concernant nos biais et nos méthodes de travail, on vous présente donc des femmes artistes, comme le titre le dit et comme je l'ai déjà répété 4 fois. On parle d'histoire de l'art, on vous montre des pratiques qu'on peut diffuser sur Twitch, à savoir des images, donc des images de peinture, de sculpture, des images d'images de photographie. Du dessin, etc., des choses qu'on peut commenter ensemble, des images dans lesquelles on peut zoomer, vous montrer les signatures, enfin, tout plein de choses très prometteuses. Donc, pour les périodes de cette frise chronologique, on s'arrête à 1981, de manière très précise, qui est une date qui nous permet d'inclure des parcours de femmes, des parcours de vie qui auraient été un petit peu marginalisés ou mis à l'écart avant les années 80, en tout cas avant une date active dans les années 80. Je laisse 13 bis peut-être parler des outils. Quels sont les outils à notre disposition ce soir? Alors, bonjour Titi Louis, j'espère que tu vas bien. Hello. Alors, les outils, il y a le Framapad qui est dans directement en commande Frama sur le chat et vous pouvez retrouver directement toutes les informations qu'on a. Si vous voulez, je vous montre, comme ça, c'est plus clair. Hop, ça va s'afficher d'ici. Voilà. On attend que ça charge, hein, bien entendu. Voilà. Donc sur le Framapad, vous trouvez tous les anciens épisodes avec tous les noms d'artistes qu'on a rencontrés pendant un an plus la saison 2, c'est-à-dire le début de l'année. Il y a l'épisode 5 qui est sorti et qui est ici, et que je vais pouvoir ajouter tout de suite l'URL. Chapitré et début de sous-titré, parce que j'ai pas pu aller au-delà de 10 minutes, parce que ça dure 2 heures, 10 minutes. Voilà. Et j'arrête de dire voilà, parce que je me suis entendu dire voilà 15 millions de fois. En tout cas, il y a tout ça ici, plus, du coup, je mets ça, hop, là. Donc vous pouvez retrouver directement sur le Framapad. Sur le Framapad, il y a aussi les manques de ressources. Les manques de ressources sont tout en bas. Si vous, jamais vous avez des noms que vous cherchez et que vous ne trouvez pas sur la frise, visible en tout cas dans le live, ou dans les épisodes, il y a peut-être dans les manques de ressources. Dans les épisodes, souvent, dans la description, il y a les manques de ressources aussi, parce qu'on en parle quand même, même si on n'a pas la fin. Donc quand c'est en manque de ressources, ça peut être juste la monstration, ça peut être d'autres trucs, ça peut être... tout ça simplement être... l'existence d'une artiste, par exemple, oui. Quand on parle des artistes antiques, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est important à se dire, c'est que il y a tout ici dans le Frama. Vous pouvez avoir accès dans le Frama directement sur le chat, mais il est libre d'accès H24, donc voilà.
Autre chose, vous voyez en bas défiler subrepticement une petite information comme quoi nous allons participer à une émission qui est bien sûr notre autopromo. Et vu que je suis là pour faire l'autopromo aussi, bien entendu, je vais vous montrer donc d'autres choses. Si vous voulez avoir... c'est pas ça que je voulais couper, alors je remets l'autopromo là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a aussi, du coup, le Twitter. Ah, encore l'autopromo, pardon, excusez-moi, bonjour. Voilà, y a, sur le Twitter, il y a pas mal de choses. Il y a, du coup, les informations au dernier moment, surtout pour les à l'arrache, mais un peu plus prévu pour le chronologie, la chronologie, on dit. Et pour le Chipstream, bien entendu, vous avez accès à tout ici. Dès le tweet épinglé, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte, parce que c'est Twitter. Voilà. Que dire de plus ? On est sur Twitch, donc vous pouvez nous retrouver sur Twitch. Voilà. Sinon, pas grand chose. Honte ! Si, il y a aussi, honte ! Honte ! Le YouTube, vous avez compris que les archives vidéo sont sur YouTube, donc vous pouvez regarder en différé et trouver des artistes qui vous intéressent. Voilà, tout ça est assez facile maintenant qu'il y a le Framapad et que toutes les vidéos sont épinglées. Et vous avez aussi l'opportunité, la grande chance de pouvoir nous soutenir. Oui, ça je le fais jamais, mais oui, donnez-nous de la thune si vous voulez nous donner de l'argent. Je vous envoie tous les liens, hein, mais de toute façon, il y a 12 bis qui est en fait un robot promo qui est là, exprès pour ça. Voilà, donc il y a la chaîne YouTube, il y a le Twitter, il y a le Discord aussi, oui, parce qu'on va travailler sur le Discord aujourd'hui, parce qu'on a des trouvailles à prendre et à les inclure, du coup, donc c'est les trouvailles de l'année dernière, on les inclut cette année au début, comme ça, ça nous permet d'avoir, entre guillemets, uniquement les liens Wikipédia, parce qu'on travaille principalement sur les liens Wikipédia et les liaisons qu'il peut y avoir, voilà. Sinon, je pense que la promo pour Cybertopia, vous l'avez vu, on est lundi pour augmenter nos billets, lundi. Voilà, et du flouze, on a dit, du Ring Bell, du pèse, de la thune, de la thunas, que bien sûr le ruissellement de Ring Bell nous arrive bien entendu. Et du coup, tu te dis oui, il faut du courage pour faire du sous-titrage, mais c'est nécessaire pour l'inclusivité, bien entendu. Je conseille à tout le monde de faire du sous-titrage sur ces vidéos, c'est chiant, ça fait 24 heures pour 2 heures, on a calculé, mais il faut le faire. Donc je prendrai le temps quand j'aurai le temps, et j'essaierai de faire au fur et à mesure. Bonjour Modo Petit Cancanou, est-ce que vous connaissez la secte du ruissellement? Notre prophète Petit Cancanou est actuellement ici présente, je vous envoie directement sur sa chaîne, voilà. Ou la secte du ruissellement et son grand livre, le grand Capital est là. Ça commence bien sûr, on est à fond. Du coup, et comme on vous disait, on termine les choses qu'on avait mises de côté via le Discord pour avancer, pour nettoyer cette page. On a bien entendu beaucoup d'autres ressources qu'on a mises de côté au fur et à mesure des 6 premiers épisodes là, de la saison 2. Donc on a beaucoup de matière, on n'est jamais à court. Je rigole, mais t'es pas obligé de rigoler avec moi, hein. Ça n'est pas de problème. T'inquiète pas. Du coup, on est à peu près, depuis plusieurs épisodes, sur un ratio de 4 artistes par émission. Ce qu'on fait d'habitude, en fait, on a un bon ratio sur ça. Parce que on fatigue vite, et 4, c'est bien. Voilà, 4, on a trouvé que c'était un bon chiffre pour vous garder éveillé et puis que vous puissiez commenter et que je puisse continuer à lire, surtout parce que c'est compliqué. Oui, et c'est, du coup, ça fait 4, mais en vrai, on est sur 4 sur 2 heures, parce que c'est surtout ça aussi, ça dure 2 heures. Donc, la semaine dernière, on avait regardé un peu, on avait énuméré ce qui nous restait. Dans les sources qui restent, on n'est pas sûr d'avoir... je pense que certaines artistes ne rentreront pas dans notre frise, puisque peut-être pas actives dans les années 80, mais nous allons vérifier tout ça. Et je vais vous montrer du coup le Discord. Hop, je vais cacher les personnes qui en font partie, comme ça au moins c'est un peu anonymisé. Je vais enlever la promo parce que je pense que ça prend de la ressource. Voilà.
Alors, on remonte du coup. Normalement, on a mis des checks sur chaque chose qu'on a fait. Ouais, pas toutes. Parce que justement, la dernière fois, on est tombé sur d'autres choses qu'on n'allait pas pouvoir faire parce que la pratique et la date de naissance. Oui, oui, non, mais je veux dire, pour recommencer depuis... C'est la journée Orlan, je crois, aujourd'hui. Ah, donc on Germaine était Krull. Sur Germaine Krull. Qui a une rue, mais qui n'a pas de photo, apparemment. Ah, oups, pardon. Comment qu'on fait? Mets la vidéo dessus. Je vais faire brave, bloquer les images. On tombe toujours sur des boobs, hein, c'est pas possible. Alors, donc Germaine Krull est notre première artiste ce soir. Oui. Prends ton temps parce qu'il faut que je fasse un onglet. D'accord, je prends mon temps. Alors, Germaine Krull, qui est née en 1897 en Pologne et qui est morte en 1985 en Allemagne. Et c'est une photographe d'origine allemande, figure essentielle du mouvement de la nouvelle vision photographique. Nous regardons tout ça, ce qu'est la nouvelle vision photographique. Je pense que c'est introduire une nouvelle vision dans la photographie. C'était un mouvement non spécifiquement limité à la photographie qui a été développé dans les années 20. Le mouvement était directement lié au principe du Bauhaus. Ok, bah voilà. Donc je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus. Donc la notoriété de Germaine Krull s'est essentiellement construite à Paris dans les années 1928 à 1931, notamment avec la publication de son portfolio Métal, reçu comme un manifeste de la nouvelle photographie et associé par la critique au constructivisme de Laszlo Molinagi. Laszlo Molinagi. Je connais par cœur son nom. Engagée dans l'aventure du magazine Vue, premier grand hebdomadaire illustré français, elle contribue aussi à inventer le reportage photographique moderne en compagnie notamment d'André Kertész et d'Élie Lothar. Elle a également un rôle pionnier dans le domaine du livre photographique. Et est-ce que tu peux... J'en suis à pendant la Seconde Guerre mondiale, Krull rejoint Brazzaville afin de se mettre au service de la France libre. Elle y crée un service photographique et réalise des reportages de propagande. Correspondante de guerre, elle suit le débarquement des Alliés de Naples à Strasbourg, arrive en Allemagne au moment de la libération du camp de concentration de Weigen et part ensuite pour l'Asie du Sud-Est, de Saïgon à Bangkok. À la fin de son contrat de reporter, elle décide de rester à Bangkok où elle dirige de 1946 à 1966 l'Hôtel Oriental dont elle fait un des plus réputés d'Asie. Un des plus quoi ? L'hôtel. L'Hôtel Oriental dont elle fait un des plus réputés d'Asie. Il y a une... C'est elle-même qui fait le truc. Mais oui, c'est pas très compréhensible, mais c'est parce que c'est du français soutenu, voyons. Ok, bien sûr. Hein. Parallèlement, elle entreprend de photographier le patrimoine bouddhique. Il y a écrit bouddhique, hein. De Thaïlande et de Birmanie. Avec André Malraux, elle fait le projet inabouti d'un ouvrage sur l'Asie dans la collection L'Univers de Forme des éditions Gallimard. En 1966, elle part en Inde, réalise Tibetan in India, livre sur les Tibétains réfugiés en Inde, et s'installe au nord de l'Inde, près de Dehradun, au sein de la communauté bouddhique de Sakya Trinzin. Désolée pour la prononciation, si c'est pas comme ça qu'on dit. Elle quitte l'Inde en 1983 et vit chez sa sœur à Wetzlar jusqu'à sa mort. Donc on va aller un peu plus loin dans les... Ah, elle a une page longue. Très bien. On commence par la plus longue, c'est bien. Donc, tu veux lire l'enfance ? On va regarder s'il y a des choses intéressantes. Parce que dans l'enfance, des fois, on peut lire des trucs sur genre... Son père lui donna son premier appareil photo en 1900... Donc on va regarder s'il y a ça. On nous dit que son enfance et son adolescence sont marquées par l'errance géographique de sa famille au gré des expériences professionnelles malheureuses de son père ingénieur inventeur. Et donc elle est d'abord à Poznan et ensuite elle va vivre en Bosnie, à Paris, à Montreux, dans une campagne entre Graz et Petau, qui est aujourd'hui en Slovénie, à Vienne, en Suisse et enfin en Bavière. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? Lorsqu'elle désire faire des études universitaires, sans diplôme, avec une formation lacunaire, seul le Lehr- und
Versuchungsanstalt für Fotografie, Chemigraphie, Lichtdruck und Gravure, Centre d'enseignement et d'expérimentation en photographie, chimigraphie, prototypie et gravure, que vous aviez bien sûr compris que ça voulait dire ça quand je l'ai lu en allemand, est susceptible de l'accepter à Munich. Alors, formation et engagement. Est-ce que tu peux avancer dans la page jusqu'au chapitre, tu mets formation, engagement, politique en haut. Donc, Germaine Krull intègre... Ah, ils l'ont réécrit en allemand. Je vais pas le lire. Le Lehrhund Verstand truc, le truc de photo, là. Elle est acceptée donc en 1916. Fondée en 1900, l'établissement accepte les femmes à partir de 1905. Ce qui est assez tôt par rapport à ce qu'on a pu voir dans les autres pages sur les établissements qui acceptent des femmes. C'est plutôt en 1930. Et encore, ouais, 1930, c'est plutôt tôt, quoi. Ouais. C'est un peu plus tôt, quoi. Il y a des, ah ouais, des 1800 et quelques qu'on était tombés, je crois. Ah ouais. Ouais, mais par exemple, les Beaux-Arts de Paris, c'est archi tard. Peut-être 1910. C'était l'année dernière, je ne me rappelle pas. On s'en souvient déjà plus, voilà, on a une mémoire à court terme qui dure 2 heures de chaque épisode et la semaine après, on ne s'en souvient plus. C'est ça. Après son diplôme, Germaine Krull ouvre un studio de photographie à Munich et s'y consacre principalement aux portraits et aux nus. Eh bien, on va bien s'amuser s'il y a des photos. Elle se mêle au bouillonnement intellectuel, artistique et politique du quartier de Schwanbing. Fervente de tout ce qu'on pouvait voir ou apprendre, elle se passionne pour la théosophie et le bouddhisme et s'implique dans les luttes révolutionnaires de l'époque marquée par la fin de la Première Guerre mondiale, la défaite de l'Allemagne et la révolution bolchevique. L'assassinat le 21 février 1919 de Kurt Eisner, secrétaire du Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne. Ah, le national-nationalisme, je connais. Et premier ministre de Bavière, par un étudiant nationaliste, intensifie les troubles et violences politiques. C'est pas vrai. Un éphémère gouvernement insurrectionnel d'inspiration communiste, la République des Conseils de Bavière, parvient au pouvoir. Son écrasement en avril 1919 s'accompagne d'une féroce répression des militants d'extrême gauche par les contre-révolutionnaires. Donc elle, donc Germaine Krull, aide Tobias Axelrod, envoyé à Moscou, infiltré parmi les spartakistes, à fuir en Autriche. Ils échouent et après leur arrestation, elle est un temps emprisonnée puis expulsée de l'état de Bavière. Et Axelrod est condamné à 15 ans de prison, puis échangé avec un diplomate. On peut être échangé avec des diplomates, comme ça, gratuitement. Elle accepte un emploi de photographe à Düsseldorf, puis s'installe à Berlin en 1920, où elle poursuit son engagement politique. En janvier 1921, elle se rend en Russie avec Kurt Adler, entre parenthèses Samuel Lévy, donc qui, sûrement, il a changé de nom. Oui, parce que c'est l'époque où tout le monde change de nom, hein, de toute façon. Qu'elle connaît depuis les événements de Munich, d'abord à Saint-Pétersbourg, puis à Moscou, avec le projet d'assister au congrès de la Troisième Internationale. Opposée à la centralisation du mouvement communiste par Moscou, elle envisage d'y faire valoir l'expérience des soviets munichois. Considérée comme opposante, elle est incarcérée à la Lubyanka. Oui, c'est ça, Lubyanka. Finalement expulsée, elle contracte le typhus dans le convoi de retour et rentre très malade à Berlin au début de 1922. Je vais avancer, je pense. Tac, tac, tac. À Berlin, elle s'associe avec Gretel et Kurt Hübschmann, qui tiennent un studio photographique qu'Hübschmann lui cède par la suite. Ils y réalisent des portraits, des photos de mode et plus rarement des photos de presse. Durant ces années berlinoises, le travail personnel de Germaine Krull tend à s'affranchir de l'esthétique pictoraliste enseignée par son école de photographie. Elle réalise des nus, mettant parfois en scène des relations lesbiennes. Berlin lui inspire ses premières photographies de rue, ses premières prises de vue de la vie moderne. Elle fréquente les dadaïstes berlinois et les expressionnistes. Introduit par Hübschmann dans un cercle d'amis néerlandais, elle se lie au cinéaste Joris Evans et rencontre l'écrivain anarchiste Arthur Lening, directeur de la revue néerlandaise I10. Elle découvre dans cette revue les œuvres du photographe constructiviste Laszlo Moholy-Nagy. En 1925, elle s'établit aux Pays-Bas avec Evans.
Elle collabore aux revues IDIS et de Film Liga, qui a été créé en 1927. Evans et Krull partagent la découverte de l'univers de l'industrie lors de promenades dans les ports de Rotterdam et d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, bien entendu. Oui. Ouais. Enchanté. Non. Les photographies qui réalise Krull sont un cap décisif pour la suite de son œuvre. Depuis ce moment-là, j'ai commencé à aimer la photographie, et c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai commencé à voir la rue, les choses, comme l'œil les voyait, et non pas comme on pensait que ça devait être. Non. Ensuite, donc elle va à Paris. Qu'est-ce qu'elle fait à Paris ? Elle voit les rues. Voilà. C'est là qu'elle se fait connaître en tant qu'artiste et photographe d'avant-garde, grâce à son portfolio métal, considéré comme l'une des plus importantes publications photographiques des années 1920. Donc, on va nous parler là, dans le petit paragraphe, de ce fameux portfolio. Donc, elle s'installe à Paris à la fin de l'année 1925. Elle ouvre un studio avec le photographe de mode Luigi Diaz et travaille pour de grands couturiers tels que Paul Poiret, Lucien Lelong, ainsi que pour Sonia Delaunay. Donc Sonia Delaunay, qu'on a déjà traité dans la première saison, très loin. C'est une des premières, même, je crois, Sonia Delaunay. Oui, c'est possible. Elle se lie d'amitié avec le couple Sonia et Robert Delaunay, qui lui fait connaître le milieu artistique parisien, et rencontre Élie Lothard, qu'elle forme à la prise de vue et au tirage. Parallèlement aux travaux de commande qu'elle considère comme purement alimentaires, elle cherche à faire connaître les photographies qu'elle nomme ses « faire », entre guillemets, une série commencée lors des promenades avec Joris Evans sur les quais de Rotterdam et d'Amsterdam et poursuivie à Paris, Saint-Ouen, Saint-Malo, Marseille. Ces images de structures métalliques, fragments de ponts transbordeurs ou de machinerie de la Tour Eiffel, aux cadrages audacieux, souvent en contre-plongée, déconnectés d'une vision réaliste, élaborent dès 1925-1926 le vocabulaire visuel de la modernité photographique. Robert Delaunay l'encourage à les faire connaître. Mais lorsqu'elle les montre à la Société française de photographie et de cinématographie, bastion du picturalisme, elle s'entend dire qu'elle ne va pas tenir d'aplomb son appareil photographique. Qu'elle ne sait pas tenir d'aplomb son appareil photographique, bah évidemment. Hein. Bien entendu, ça paraît pas du tout sexiste. En revanche, Lucien Vogel, le créateur et directeur du magazine Vue, qui lui commande des photographies de la Tour Eiffel, trouve que ces images ne sont jamais assez penchées. C'est-à-dire ? Il y en a un qui lui dit tes images elles sont pas cadrées, et l'autre il lui dit tes images elles sont trop cadrées quoi. En gros c'est ça. Tu veux dire que ce serait du mansplaining avant le terme mansplaining ? C'est possible. On regardera tout à l'heure et on définira si on trouve que c'est trop penché ou pas assez penché. Choqué déçu. Ça veut dire que à l'époque ça existait déjà ? J'ai pas envie de répondre à cette question. Je t'embête, je sais que t'es fatigué. C'est faire, donc on rappelle que faire, c'est le nom qu'elle donne à ses photographies, si vous aviez déjà oublié. Ces faires sont exposés à Paris, au premier salon indépendant de la photographie, en mai-juin 1928. Ils font ensuite l'objet d'une publication par les éditions Calavas, sous la forme d'un portfolio de 64 planches intitulé « Métal », préfacé par Florent Fels, journaliste, écrivain d'art et fervent soutien de la jeune photographie. Ah, je peux faire juste une pause ? Oui. Est-ce qu'elle appelle ses faires parce qu'elle travaille sur l'imagerie, entre guillemets, des rues très ferrées, donc des endroits ouvriers, etc. Ils l'ont dit là-haut, non ? Ou c'est parce que c'est du fer ? Parce que la photographie sur cuivre, ça existe. Hein. Ouais, mais elle dit là-haut... Ah non. Attends, j'ai je voulais le faire, mais oui, mais tu casses tout. Au secours. On casse tout ici. Et ils disent là-haut pourquoi elle les appelle ses faires. Ouais, on regardera tout à l'heure, mais c'était juste pour ça. C'était juste que je viens de tilter, en fait. Ok. Donc, voilà, le Florent Fels, qui soutient la jeune photographie. L'ouvrage a un impact immédiat dans les milieux de la nouvelle photographie et auprès des magazines artistiques progressistes. Il apparaît comme le manifeste du courant artistique Nouvelle Vision, dans la lignée du livre de Laszlo Moholy-Nagy, Malerei, qui veut dire peinture, photographie, qui veut dire photographie, et film, qui veut dire film. Publié en 1925. Il est considéré comme l'un des plus importants livres photographiques jamais réalisés. Le succès de Metal apporte à Germaine Krull jusqu'en 1930 de nombreuses commandes, notamment d'Électricité de Paris, ses premiers clients sérieux, ou des constructeurs automobiles Citroën et Peugeot. Et Électricité de Paris, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle EDF. C'est ça ? Ah, je savais pas.
Mais si, c'est l'électricité de Paris, c'est l'EDF. Il est aussi à l'origine de son engagement au sein du magazine Vue. Le radicalisme de Metal demeure très singulier dans l'œuvre de Germaine Krull. Son activité de reporter-photographe pour le magazine Vue l'amène à se passionner pour d'autres thématiques. Vue, donc, qui est le premier grand hebdomadaire illustré français, pacifiste et antifasciste, est lancé en mars 1928 par Lucien Vogel, qui s'entoure de jeunes créateurs avant-gardistes et de jeunes photographes tels que Élie Lothar, André Kertész et Germaine Krull, à qui il passe commande dès le premier numéro. Lucien Vogel place la photographie au cœur de son projet éditorial. C'est à Vue que s'invente le métier de reporter-photographe, facilité par l'évolution technique. Des appareils plus légers et lumineux que les chambres sur pied, donc chambres sur pied, c'est ces gros machins carrés là, qui font plch comme on voit dans les films. En fait, c'est juste l'idée d'un appareil photo, c'est le principe des caméras obscuras, ça s'appelle comme ça, c'est juste une boîte fermé avec un petit point qui est une entrée de lumière, et au bout vous mettez juste un papier en fait qui capte la lumière et qui retranscrit la lumière chimiquement. C'est juste ça. Ensuite il y a donc la photographie, entre guillemets, c'est l'objet directement, le papier, c'est pas l'outil. Du coup, le truc que Nibbler expliquait, c'est justement que la chambre sur pied, c'est le même principe. Sauf que c'est avec des pieds très très longs. On voit souvent dans les films, comme tu disais, où en fait c'est des pieds très très longs qui sont à la taille en fait d'un pied photographique. Et ensuite vous tombez sur une sorte de chambre. Alors là c'est plus grand parce que le papier photographique ou le cuivre ou les plaques de fer, et c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, peuvent être aussi chimiquement attaqués. Parce que là, c'est là où c'est intéressant, c'est que si le fer c'est du cuivre ou du fer en lui-même, ça peut être rouillé. Donc du coup, en fait, c'est une sorte de rouille chimique. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est une manière très large de l'expliquer. Petit Kangalou était contente de mon explication imitation, apparemment. J'essaierai d'en faire, parce que plus je suis fatiguée, plus je fais ce genre de choses, donc ça risque d'arriver. Alors, si vous passez en ce moment dans les manifs parisiennes, par exemple, il y a un mec qui utilise justement des chambres... sur pied en ce moment et qui prend en photo les manifestants. Donc si jamais vous êtes là et que vous le trouvez, faites-vous prendre en photo. Il faut pas bouger par contre. Parce que à mon avis c'est un peu la même idée que ce que fait Germaine Krull justement en rapport de reportage. Ok, donc on disait des appareils photo plus légers et lumineux que les chambres sur pied des photographes de presse, dont l'Icarette de Krull. Tu veux montrer peut-être ce que c'est l'Icarette pour expliciter ou pas du tout? Là de tête je me rappelle même pas. Bah non, mais parce qu'il y a écrit. La rotogravure, c'est ça que tu regardais? Mais non, l'Icarette. Parce que la rotogravure, peut-être que l'image peut être. Oui, mais l'Icarette, c'est le nom de l'appareil photo de Krull. Oui, bon, on va regarder bien sûr, on regarde les antilles. C'est où déjà? J'arrive pas à le trouver. Et où le terme? Ici. C'est pas sur le souligné. C'est juste le nom d'un truc. Excusez-moi, j'étais en pause digestion. C'est un Zeiss. Donc du coup, c'est un des premiers appareils. Alors c'est Zeiss, c'est intéressant. Voilà, donc c'est exactement ce que j'essayais d'expliquer. Donc ça, c'est la version du coup taille 36 mm sur 24, je crois. Donc c'est les pellicules qu'on appelle modernes maintenant. Sauf que les Zeiss, c'était un peu plus tôt, donc du coup, ça pourrait être des formats qui sont 6 sur 6, donc des formats carrés. Voilà. Et là, c'est avec une chambre, donc on peut la voir, la chambre ici. La chambre, c'est au bout, et au milieu, il y a ce qu'on appelle l'accordéon, en fait, et la lance, donc la lentille est au bout. Zeiss, c'est très connu, parce que c'est très vieux. C'est aussi très connu, parce que c'est les appareils photographie nazis, aussi. Il faut savoir que Zeiss, à la base, n'est pas nazi. C'est juste que c'est un des endroits qui a été récupéré par les nazis au moment de la guerre pour pouvoir justement créer ce que c'était déjà en train de créer, c'est-à-dire des outils photographiques et autres. Et ensuite, ça a été récupéré au moment de l'arrivée sur Berlin par l'armée russe qui a créé d'autres outils qui sont en fait des faux Zeiss et qui sont toujours en commerce et qui sont trouvables à 10€ si vous voulez avoir un Zeiss. Voilà. On ferme la parenthèse, on continue. Voilà.
Donc, qu'est-ce que lui permet ce type d'appareil? Ça permet des prises de vue spontanées proches du sujet. Donc, Vue, le magazine Vue, innove aussi en matière de mise en page grâce à l'impression en rotogravure, permettant des montages dynamiques et des doubles pages en rupture avec les colonnes rigides des journaux de l'époque. T'as bien compris, hein? Ouais, bien sûr. Bah non, mais c'est surtout que je visualise pas du tout à quoi ça ressemblait. Alors, un journal avant, en fait. Bah, alors, c'était une feuille, en général. On va regarder l'héliogravure avec l'image, peut-être que ça peut aider. Bah, ça se trouve, c'est des boobs, hein. Je sais pas. Hein. Tout est des boobs, à un moment. C'est apparemment du coup de la gravure mécanique d'un cylindre et ensuite le cylindre passe sur une feuille et c'est magique. Voilà. Wow. C'est très facilement explicable, non? L'héliogravure est aussi un procédé ancien et très haute qualité et rareté pour les tirages photographiques d'art, procédé appelé aussi héliogravure au grain. Voilà, donc c'est de la reproduction. Nips. Ah, Nicéphore. Ses premiers essais, ça nécessite une longue exposition au soleil. C'est un Nicéphore, le singe ouais. De ton jeu qui t'a défoncé la tronche. C'est ça. Et du coup, la rotogravure, c'est l'héliogravure aussi, apparemment, parce que c'est le même nom. Ok. Voilà. Donc, du coup, je vais devoir refermer les images. On continue. Alors. Attends, donc. Ça va peut-être bugger la page. Non, c'est bon, j'en suis à. Non, mais je remonte vite fait, c'est juste pour ça. Parce qu'en fait, on n'a pas toute la page. Ah. Je l'ai noté. Stop. Hein. Ouais. Krull dit dans son autobiographie que Lucien Vogel l'a lancé. Non, parce que j'en suis là. L'a lancé surtout et même à travers les rues de Paris, où les photos fourmillaient. Son terrain de prédilection, c'est le Paris populaire et marginal devenu sujet photographique sous l'influence d'Eugène Atget. Considéré comme le père fondateur de la photographie moderne. Atget. Je fais une pause. La photographie moderne, en fait, la manière dont ils entendent parler là actuellement pour Germaine Krull et Eugène Atget, c'est en fait la street photographie que vous pouvez trouver partout. Hein. C'est aussi ça. Dont on a déjà parlé en détail à un autre épisode que vous pouvez consulter. Donc, Atget est exposé de façon posthume en mai 1928 au premier salon indépendant de la photographie, dont Vogel est l'un des commissaires, et fait l'ouverture d'une série d'articles de la revue L'Art Vivant, publiée à partir de janvier 1929, sous le titre « La photographie est-elle un art ?», dont les autres articles sont consacrés à Krull, Kertész, Lothar, Man Ray, Pierre Mac Orlan, ardent défenseur de l'avant-garde photographique et théoricien du fantastique social. Alors, c'est quoi le fantastique social? Et le nom par lequel l'écrivain Pierre Mac Orlan entreprit de caractériser la dimension inquiétante de la vie moderne, nous sont malaisement. Ça se dit ça? Définissable par son inventeur comme par ses commentateurs. Elle fut employée pour la première fois par Marc Orlan. Ok, super. Voilà, associe le Paris Krull à celui d'Atget ainsi qu'à celui de Francis Carco. Vu qu'on est un grand succès, selon Krull, il fallait présenter chaque semaine quelque chose de nouveau. Les gens voulaient voir Paris comme ils ne l'avaient jamais vu, comme ils ne le connaissaient pas. Elle réalise notamment pour Vue des reportages sur la fête foraine, sur le mystère de la foire aux puces, sur les clochards dans les bas-fonds de Paris, reportage qui fait sensation. Avec D'Anjou, elle explore aussi la zone et illustre l'article sur le dernier interview de la Goulue. La Goulue qui est très connue. Si vous ne connaissez pas la Goulue, je crois que c'est la dernière chef d'un bordel parisien. Je crois que c'est ça. C'est une danseuse de cancan. Mais je croyais que c'était ça, la Goulue. C'est pas la dernière. Excentrique danseuse de l'Alcazar et autres lieux où le cancan et le grand écart sont toujours en vigueur. J'avais oublié. Ok, sorry, je me suis trompé de personne. Donc D'Anjou signe également le texte du reportage sur La Porte du Monde, Marseille, qui publie des photographies du pont Transborder. Avec Élie Lothar, elle visite le palais de la femme de l'Armée du Salut. Ok. Elle voyage également pour Vue en Bretagne, reportage sur la révolution armoricaine, l'autonomisme breton et ses joies, et le pardon des terres novaces. Dans le midi, pour les fêtes du bimillénaire de Carcassonne, pour la fête des Espagnols, pour la fête du Mistral à Mayanne. Son dernier reportage important concerne les ouvrières de Paris avec un texte d'Emmanuel Berle.
Ses prestations pourvues, plus sporadiques dans les années 30, s'achèvent pratiquement en 1934 avec Éden de banlieue, reportage sur les bords de Marne et le modèle des frères Lenain, portrait de banlieusard. En fait, les sujets sont vachement bien. Hein. Le succès de ces reportages dans Vue apporte à Germaine Krull des commandes pour de nombreux autres magazines. L'Art vivant de Florent Fels et Carlo Rim, Jazz de Carlo Rim, Détective des frères Joseph et Georges Kessel, Bifur, variété revue belge d'avant-garde, Der Querschnitt, revue allemande d'avant-garde, Art et médecine, Paris Magazine, France à table. C'est très varié du coup. France à table, c'est marrant. Ouais, c'est rien à voir. Alors, les expositions. Donc, elle a d'abord invité au premier et unique salon. Elle est, pardon, d'abord invitée au premier et unique salon indépendant de la photographie, dit Salon de l'Escalier, car il occupe l'escalier du foyer de la Comédie des Champs-Élysées du 27 mai au 7 juin 1928. C'est la première manifestation de la nouvelle photographie en France. Les exposants sont surtout des photographes étrangers installés depuis peu à Paris. Mais le salon rend aussi hommage à Hadgett et Nadar. Florent Fels, l'un des commissaires du salon, écrit dans L'Art vivant que le comité directeur a voulu éviter la photographie artistique qui s'inspire de la peinture, de la gravure, du dessin. Toute une esthétique qui échappe aux strictes lois de la photographie. Elle participe aussi à Bruxelles en octobre 1928 à la première exposition d'art photographique moderne qui se tient à la galerie L'Époque en octobre 28. Son initiateur est Paul Gustav von Eck, directeur de la galerie et fondateur de la revue Variété. Cette manifestation conforte la place de Krull dans le mouvement moderniste et lui offre un tremplin médiatique plus international. C'est à Stuttgart, de mai à juillet 1929, qu'a lieu l'une des manifestations majeures de la nouvelle photographie, Film und Foto, FIFO, qui édicte les codes de la photographie moderne en Europe. Laszlo Moholy-Nagy est l'un des sélectionneurs pour les photographes européens. Germaine Krull y expose des photographies de la Tour Eiffel, des centrales électriques, mais aussi de ses reportages. L'exposition se prolonge la même année à Zurich, Berlin, Danzig et Vienne, puis en 1931 à Tokyo et Osaka. L'œuvre de Krull est aussi présente en 1929 dans l'exposition Photographie der Gegenwart, photographie du présent, organisée par l'historien de l'art Kurt Wilhelm Kestner. À Essen, puis Hanovre, Berlin, Dresde, Magdebourg et Londres. C'est l'une des plus importantes de l'entre-deux-guerres, véritable who's who de la photographie de la Mitteleuropa. Elle inclut un grand nombre d'artistes du Bauhaus et des expressionnistes. Entre 1930 et 1935, des photographies de Germaine Krull figurent également dans diverses expositions parisiennes. La plus marquante, intitulée « Documents de la vie sociale », est organisée en juin 1935 à l'AEAR, Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Élie Lothard y est responsable de la section photo, Germaine Krull y expose des photographies issues de son reportage sur les ouvrières de Paris. Bon après, les photographies qu'on va peut-être pas lire tout... Après, il y a métal. À part peut-être la première date, peut-être qu'on peut prendre quand même au cas où. C'est... Ouais, mais on l'avait avant, hein, je pense, parce que le premier numéro de Vue qu'elle a fait, au final, ça peut compter. Hein. Oui, oui, c'était avant ses expos. Oui, oui, mais ça peut être. C'est peut-être qu'elle a publié avant d'être chez Vue, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, bon, on va remonter, mais. Parce que là, on est. De toute façon, c'était 1928, sa première expo. Tu veux finir la carrière quand même ou pas? Ouais, allez, parce que les livres photos, je vous laisse creuser si vous voulez regarder, parce que voilà. Oui, on va pas parler non plus de l'installation à Monte Carlo, je pense que c'est pas très intéressant. Parce que alors, bon, à part pour les impôts... De 1928 au début des années 30, Germaine Krull est au sommet de sa créativité. Elle vit ses plus grandes années de succès, sa production est reconnue par la critique comme une œuvre majeure. En 1931, les éditions Gallimard lui consacrent un album préfacé par Pierre-Marc Orland, premier volume d'une collection sur les photographes nouveaux. Dans sa petite histoire de la photographie, le philosophe et critique Walter Benjamin illustre ses propos sur Hadgett, de deux photographies de Krull dont les tirages lui appartiennent. Mais les commandes se raréfient, les trois photographes des débuts de Vue, Krull, Lothard et Kertész, indépendants, sans studio ni agence de presse, sont exclus du développement rapide du métier de reporter. Krull vit de son stock d'images mais en tire peu de ressources. En octobre 1932, elle participe au lancement de l'hebdomadaire Marianne, créé par André Malraux et Emmanuel Berle chez Gallimard.
Elle illustre La chatte de Colette qui paraît en feuilleton. Mais avec l'échec des éditions Aumont, sa situation est difficile, matériellement comme moralement. La saisie des biens de Jacques Aumont ainsi que de sa propre automobile, qui lui est par la suite restituée, et la visite d'huissier à son domicile l'amène à mettre à l'abri son stock de photographies et de plaques de verre chez Élie Lothard, stock qu'elle ne retrouve pas après-guerre, et à fuir Paris. Elle se réfugie un temps chez des amis à Montfort-l'Amaury, puis part dans le Midi. Et puis après, elle s'installe à Monte-Carlo. Là, c'est la fuite. Ouais, après, il y a ce séjour en Asie. Elle peut pas se rendre aux États-Unis. Elle obtient un visa pour le Brésil. Et à Brazzaville, apparemment, elle dirige le service de photographie de la France Libre et réalise des reportages de propagande sur les activités de production en Afrique équatoriale française. Donc, la colonisation. C'est... Ah bah dis donc, quelle révolutionnaire. En carton, hein. Non, franchement, il y a des super sujets qu'elle a traités. Et après, oui. Ouais, ça a l'air d'être un peu le tour, le grand tour de la colonie. Après, elle part en Asie. C'est le Siam, c'est le Vietnam. Hein. Ah ouais, bah voilà. Donc c'est le tour de la colonie française, quoi. Parce qu'après, t'as en Inde. Ah ouais. Voilà. Et puis ses publications. Tu vois, Metal, c'est déjà 1927. Et c'est son portfolio. Et avant le portfolio, elle avait déjà fait des trucs. Alors le grand tour, quand on parle, c'est pas forcément le grand tour colonial. Hein. C'est le grand tour de l'Europe. Ouais. Le grand tour des artistes, c'est plus ouais en Europe, donc chez les colons. En fait. Elle a fait un film aussi. Exposition donc 28, il y a toutes ces expos, hommage. Ok, donc moi je voulais. Mais je la connais la rue Germaine Cru. Ah ouais. Alors, expo, et je crois qu'avant là. Il y avait des choses, parce que photojournalisme... Ah bah non, de toute façon, le VU s'est lancé en 1928, donc... En fait, elle commence, et c'est là où elle fait ses armes. Mais après, il y a peut-être des photos avant. Tu vois, il y a marqué 1925 en publication. Ah non, ça, c'est le manifeste du courant artistique, donc non. Elle s'installe en 1925. Non, bah non, c'est ça. Non, mais 28, je pense, ouais, 28. C'est bien, hein, 1928. Je pense que c'est une année où il y a plein de gens. Je pense qu'il y a pas mal de monde, ouais. Il y a pas mal de femmes artistes qui ont fait ça, ceci dit, et dont on a lu l'affiche ces derniers temps. Le grand tour, tu veux dire, ou le tour des colons? Ou de faire des images de propagande et des timbres. On a vu des timbres, ouais. Ouais, on a vu même des assiettes pour... Oui, on a vu une artiste, on était là genre, oh, c'est un peu balèze quand même tout ça. Mais bon, à l'époque, il fallait bien gagner sa croûte, hein. Bah même maintenant, hein, mais de là à faire de la propagande, c'est vrai que là on a pas plus de choix, quoi. Par exemple, est-ce que le photographe, par exemple, est-ce que la personne qui photographie officiellement... Il y a rien en 1928. Ouais. Oh, y a pas de place. Mais si, parce que t'as décalé tout. Il suffit de descendre lui en bas et puis... Ah, t'as encore un peu de place là-bas, là. Oui, c'est ce que j'allais faire, mais je crois qu'il y en a pas, en fait, de la place. Est-ce que, par exemple, le photographe officiel de la famille Le Pen, il est d'extrême droite, tu vois? Je pense que oui. Ah non, mais... Il est convaincu, mais le gars mange chez eux. Bah déjà. Peut-être. Déjà, potentiellement, il est invité, déjà, tu vois. Déjà. Rien que d'être invité là-bas, c'est compliqué. Hein. C'est vrai. C'est invité dans un château de bourgeois as fuck, qui en plus sont nationalistes. C'est compliqué, la vie, hein. J'ai l'impression que ça déplace pas bien. Bon, je vais prendre la dernière. Hein. Il y a qu'un nom de toute façon. Donc ouais, tu arrives à voir ce que Petit Concret nous dit. Ouais. Ah d'ailleurs, je vous remets la pub. Il doit minima faire semblant. Ouais, je sais pas si tu peux faire semblant. Parce qu'en vrai, t'as même pas. En fait, tu peux pas prendre une photo de quelqu'un qui rend bien. Si les gens, t'insupportent et que tu peux pas les voir, enfin, du coup, je pense que moi, par exemple, je pourrais pas prendre des photos honnêtes et bienveillantes de gens qui sont pas bienveillants et qui sont horribles. Enfin, je sais pas.
Ah, tu sais, prendre de la photo, c'est aussi être à distance, hein, donc en soi, tu sais... Ouais, mais il y a distance et distance, tu vois. Oui, c'est vrai que normalement, t'es censé quand même comprendre le sujet que tu travailles. Bah oui, regarde, dans Portrait de la jeune fille en feu, elle est obligée de connaître... C'est pas le meilleur exemple, hein. Oui, bah mais si, oui. Parce que... C'est pas de la photographie. Ouais, mais c'est de la peinture, c'est pareil, elle arrive à capter son âme. Oui, mais ça prend plus de temps, la photographie, t'es pas obligé de rester face à quelqu'un. C'est ça aussi, la facilité du truc. Mais après, oui, je comprends ce que tu veux. D'accord. Bon, Germaine Krull, on va regarder son travail peut-être après 4 heures. Alors, de... oui, mais avec plein de censure, du coup, apparemment, je crois. Ben. Je vais regarder vite fait déjà en dehors, je vous laisse. Ouais, regarde en off et dis-nous si c'est chouchou ou. En tout cas, le Framapad est à jour, le Twitter est à jour. Voilà. Bon, déjà, la première photo c'est mort. Il y a des boobs. Est-ce qu'il y a un... Ouais, est-ce qu'il y a un Frama truc, là un Wikimedia, mais non. Il n'y a même pas de Wikimedia, quand même. C'est bizarre, c'est bizarre, ouais. Pour une photographe, c'est très étrange. Ouais, on va chercher sur Google. Twitter... Merci 12 bis, c'est gentil, mais bon. C'est 12 bis appelé, il a été appelé en même temps. Ah ouais, parce que 12 bis, il le fait en boucle aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui risquent de gêner, je ne sais pas. Ah non, il est en safe search, donc ça devrait aller. Allez hop, on est parti. Ouais, la safe search. Je vous enlève la pub dans ma... Donc, rappelez-vous la question, est-ce que finalement elle tient son appareil trop cadré ou pas? Il n'est pas assez penché. On peut juger. Je pense que c'est la manière dont on peut tenir un appareil photo avec une clope. Mais je dis ça. Et donc, elle a sûrement eu une expo au jeu de paume, puisqu'il y a un truc au jeu de paume. Oui, mais ça, c'est pas étonnant. Au jeu de paume, ils font des super expos sur les photographes. Hein, vu que c'est un peu le truc du jeu de paume. Mmh. Si vous êtes à Paris, en tout cas. Ah là, je vais avoir des portraits, je le sens, ça va être génial. Ça, c'est pas elle, hein. Non, mais c'est pas celle que j'ai vu. Pourquoi ce serait pas elle? Bah, parce qu'on l'a vu avant, elle a pas cette tête-là. Bah là, elle a les cheveux courts, peut-être. On regarde, hein, sur Aware. J'ai ouvert. Aware aussi, vous connaissez Aware? Vous pouvez faire point d'exclamation. Attends, je fais. Aware. Et comme ça, je... Donc là, c'est de la surimpression. Il y a plusieurs images en même temps. On peut voir plusieurs femmes et un visage. Apparemment, il y a eu les rencontres d'art aussi. Oui, bah, sûrement, elle a été exposée aux rencontres d'art. Là. Donc ça a l'air de c'est faire, j'imagine, parce que c'est une démonstration d'ouvriers. Ah non, c'est peut-être ça, les faire. Bah, ça, c'est la... Ça, c'est la tour Eiffel, j'imagine. La Eiffel Tour, ouais. Ah, peut-être pas, non. C'est trop imbriqué, non. Là, il y a même une corde, tu vois. Moi, je sais pas si tu peut-être si tu l'ouvres, tu peux voir, mais on regardera plus tard. C'est ça la question en plus. Donc, on va pas acheter aujourd'hui, vu qu'on n'achète pas d'art. On a pas la thune, donnez la thune. Donc voilà, Amazon de l'avant-garde photographique française. Ok, donc ouais, en fait, c'est l'intérêt de l'industrie comme toute l'époque en fait. Ça, c'est typique des salons de films, des films silencieux. Quoi. Ah, mais celle-ci, je la connais. Celle-ci, on la connaît. En même temps, elle était active dans les années 20. Donc... Mm. Ça, c'est pas mal, tu vois. Des photos de quotidien, c'est très rare d'avoir ça dans. Et c'est bien, la photo, ça a amené justement beaucoup de quotidien, du coup, donc c'est bien. Mmh. Oh. Marseille. Mmh. Donc ça, c'est des collages aussi. Ah, c'est la série. Et ça a l'air d'être Man Ray, là. Je suis pas sûr. C'est soit Man Ray, soit Moholy. Parce qu'ils aimaient bien faire ce genre de truc. Ça, c'est la série des clochards. Ça, c'est bien, ça aussi. C'est bien d'avoir des traces de ça. Les ateliers. Ça, toujours, c'est Sonia Delaunay. Toujours agréable d'avoir des ateliers.
Pas mal, pas mal. Ouais, il y a des trucs cool, hein. Ça c'est bien. Ah, mais celle-là, aussi. On l'a déjà vue. Celle-ci, elle est archi connue, celle-là. Bon, on l'a déjà croisée dans un. J'avais l'impression dans un. Non, c'était un dessin. C'était avec un dessin de suffragette irlandaise, non? Ah, il y a eu un Dane qui est passé. Mais ça, c'est une photo. Ouais, où on l'a vue, je sais pas quand, mais elle est très très connue, celle-là. C'est archi bien. Donc, ça, c'est les ouvrières, j'imagine. C'est les ouvrières. Donc ça, c'est clairement pas Germaine Cru. Hein. Bah ben non, c'est ça. C'est bizarre, hein, parce que ça, on l'a vu aussi. Oui, mais il y a beaucoup de... En fait, les photographes sont toujours un peu liés. Donc Germaine Cru, qui prend en photo André Malraux. Bah, c'est André Malraux, lui. Je te dis. Quel gros garçon. Donc, Assia de profil. Ça, c'est au bon coin, à Paris, 1929. Il y a très peu de personnes qui prennent des photos comme ça maintenant, c'est marrant. Cocteau. Connaissez-vous Cocteau? Oh! Pardon, excusez-moi, ce n'est pas du tout des boobs et des zettes qu'on a vus. Et ça, c'était qui du coup? Paul Rab. C'est Rab. Ouais, j'arrive pas à le dire. Pont roulant, Rotterdam. Poudre et crème de beauté. De Gibbs. Ça, c'est Paris. Rue Aubert. Donc, on pourrait voir peut-être la grande. Il n'y avait pas beaucoup de gens en rue Aubert, hein, parce que maintenant, c'est plus comme ça. Usine électrique à Issy-les-Moulineaux. Elle est ouf, cette photo. Ouais, elle est bien. Bon, bah, c'est cool. Je vous envoie la page Wear, parce qu'on le fait très peu, mais là je vous partage les trucs, comme ça c'est fait. Bon, c'était bien, il y avait des bons trucs là, moi je trouve. C'est qualitatif. Eh bien, merci d'avoir suivi Chronologie. T'es fatigué à ce point-là déjà? Ouais, mais moi je suis tout le temps fatigué. T'es au bout de ta vie? Je suis au bout de ma vie depuis que je suis né en fait. C'est dur. Bienvenue au club. Allez, viens, si tu veux, je fais la suite. On fait chacun un. Chacun un? Mais qu'est-ce que je fais en attendant? Je commente? Ah oui, on a dit, on a voté, je fais des câlins au chat. Ah oui, on a bah, faut que t'ailles chercher le chat, du coup. Je vais chercher le chat. Attention, il y a le bruit qui va faire de la chaise. Bonsoir, vous êtes toujours face à Chronologie des femmes artistes, donc du coup on va lire cette fois-ci Jessica Dismore, que je vais m'empresser de mettre sur en description de Twitch, tout de suite maintenant, de façon à ce qu'on puisse avoir accès au replay avec cette artiste, et bien entendu je la rajoute aussi dans le Framapad, afin que tout le monde soit au courant. Pourquoi c'est énorme? Je ne sais pas. Je vais l'écrire. Jessica Dismore. Voilà. Et bien entendu, je vais rajouter aussi du côté du Twitter, parce que c'est comme ça, c'est ce que moi je fais pendant ce moment-là, pendant qu'il y a la lecture, c'est de pouvoir justement écrire et partager tout de suite en live et en direct. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous pouvons commencer. Je veux l'ASMR ronron, ouais, mais là le truc c'est le chat est un peu loin et en plus il m'a fait ASMR mordage tout à l'heure donc. Je sais pas si elle a envie de ronron en plus. Alors, vous êtes prête? On est parti. Jessica Dismore, 3 mars 1885, morte le 29 août 1939, est une peintre britannique et une des seules femmes avec Helen Saunders à avoir été membre du vorticisme. Oula, vorticisme, c'est le fait d'être dans un vortex. Ouais, ça doit être ça. Est un mouvement artistique britannique du début du XXe siècle, s'épanouissant entre 1913 et 1915, et regroupant les Palestiniens. ça, c'est à cause de ce qu'on allait regarder tout à l'heure. Plasticien, des poètes et des théoriciens, il est considéré comme le seul mouvement britannique significatif de cette période. Voilà. Apparemment, il n'y a que ça qui existait. Biographie. Née à Gravesend, en Angleterre, elle a déménagé avec sa famille à Hampstead dans les années 1890. Bon, c'est pas très intéressant.
Son père était un riche, je finis pas la phrase, hein. Son père était un riche, c'est suffisant. Elle suivit des cours à la Slade School of Fine Art en 1902 jusqu'en 1963, puis s'est exercée avec Max Baum à Étaples et à l'Académie de Palette, de la Palette plutôt. L'Académie de la Palette, on n'a jamais rencontré ça par contre. À Paris de 1910 à 1913, où elle étudiait avec Jean Metzinger et a participé au cercle des coloristes écossais, spécifiquement écossais. Les coloristes écossais sont un groupe de peintres d'Écosse qui exposa dans les années 20 et 30. S'ils ne connurent qu'une notoriété relative à cette époque, leurs œuvres influencèrent à la fin du XXe siècle, donc l'art écossais contemporain. Okay. De John Duncan Ferguson. Elle a exposé avec lui et Samuel Peplow en octobre 1912 à la Stratford Gallery de Londres et a participé en même temps à la seconde exposition impressionniste de Roger Fry. Vous avez remarqué mon franglais magnifique. Roger Fry. Alors quand c'est sous-titré comme ça par contre dans les Wikipédia, ça veut dire que ce n'est pas sûr, donc on va faire attention. Hein. Rodin Audi, un ami proche et son exécuteur testamentaire, tous les bénéficiaires étaient des femmes, la qualifia de phénomène édouardienne de la nouvelle femme. What? Strange. Elle occupait un studio dans la King's Road de Chelsea à Londres et elle faisait des fréquents voyages en France. Ok, donc ça reste un peu le truc que tout le monde faisait quand on était en Europe. Elle s'essaya également à la liberté sexuelle. Audi considéra que la raison majeure pour laquelle elle n'a pas eu de relations sexuelles... Quoi ? Non mais c'est trop bizarre, il est bizarre ce passage, on s'en fout. Attends, est-ce son inclusion pour son propre sexe, bien que son... une des amantes avait... Ah si, ça peut être intéressant. Une des amantes de Lewis Kate avait une relation amoureuse compliquée. Ok. Comme... Ah oui, il y a des passages un peu sexistes. Il y a marqué, elle était selon sa disciple Kate Saunders. Non mais après c'est pire, Non mais on peut arrêter. Kate Saunders. Après c'est pire. Oui mais j'ai compris. Mais c'est la disciple, c'est pas... Actrice, ok. Voilà. C'était pas disciple dans ce sens-là, parce que ça parlait de cul. Okay. Lechmer avançait ses raisons pour expliquer le fait qu'elle s'était fait une fois promener nue au milieu d'Oxford Street. Ok, d'accord. Ouais, super. En fait, donc ça c'est tellement intime, je trouve ça très étrange que ça reste sur une page Wikipédia, mais d'accord. En fait, Saunders a refusé par deux fois les propositions de Walter Sickert et a formé... Je vais arrêter de lire. Donc il y a eu une bataille après de Thune. Donc là, c'est que des histoires de... Bah, peut-être de sexisme. Elle explose en 1927. Hein, ah ouais. Elle a été signataire d'un manifeste vorstiste publié dans la revue Blast en 1914. Peu de ses œuvres de cette période subsistent. Une peinture de William Roberts, Les Vortistes, au restaurant de la Tour Eiffel, printemps 1915, montre les sept mâles au premier plan et les deux femmes derrière. C'est sympa, leur groupe. Ouais, bah ouais, hein. Moi j'ai l'impression d'être tombé dans un marais, là. Elle a rencontré... Je ferme ça parce que j'ai cliqué sans faire exprès. Elle a rencontré Wyndham Lewis en 1913. Pendant la première guerre, elle a été infirmière en France, puis a participé à l'American Friends. Ses expériences de cette période de guerre ont provoqué chez elle une dépression nerveuse en 1920. Okay. Un médecin lui a conseillé d'arrêter de peindre. Ah, c'est sympa, la médecine, que c'était son style moderne qui avait provoqué ce conseil et lui écrivit que la meilleure distraction possible serait au contraire pour elle de peindre. Ok. L'histoire est bizarre, ouais. En fait, il y a plein de trucs mélangés, et en vrai, elle a pris cher. Jessica Dismore était au centre... Et s'il y a besoin de l'avertissement, je peux peut-être le mettre. Peut-être qu'on est à la fin de la phrase, du truc en même temps. Bon, j'ai vu la fin, donc on va le mettre. Excusez-moi de l'avoir mis en retard, parce qu'on aurait dû le mettre plus tôt, peut-être. Était au centre de l'avant-garde artistique de Londres. Elle illustrait les poèmes de T.S. Eliot et Ezra Pound, qu'on a déjà vu aussi, qui était la littérature anglaise, mais du coup, on l'avait déjà vu aussi, je sais plus dans quoi. Illustratrice, peut-être une illustratrice. Parfois dans la revue Vortiste Blast. Elle expose en 1927 au Salon des Indépendants. Dans les années 30, elle réalisa des
portraits de poètes, dont celui de Dylan Thomas, exposé avec Charles Ginner et Barbara Epworth, dans le groupe de Londres. Donc le groupe de Londres, on l'a déjà rencontré. Mais aussi avec Evan Hitchens et Ben Nicholson. Et Barbara Epworth, c'est... Je pense que c'est ça. Si, on l'a déjà vu, elle, non ? Je sais pas, on va regarder. Je vérifierai, moi. Je vérifierai. Okay, okay. Tout au long de sa vie, elle continua à peindre et à exposer ses œuvres qui devinrent complètement abstraites à partir des années 1930. Elle se suicida par... Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai mis l'avertissement. Elle se suicida par pendaison. 5 jours avant la déclaration de la guerre de la Grande-Bretagne à la Nazie. Quentin Stevenson écrit actuellement une biographie. Pourquoi on sait ça ? Pourquoi admettre que quelqu'un a écrit sa biographie ? Surtout en ce moment. La thèse de Catherine F. Cock, non publiée, comprend le catalogue complet des œuvres de Dismore. Les lettres que se sont échangées Dismore et Lewis sont désormais à l'université de Cornell. Bah, c'est sûrement... C'est ça, les références nécessaires, à mon avis. C'est que si tu... Comment tu fais référence à une thèse non publiée ? Bah ouais, c'est ça, en fait. C'est étrange, du coup. Ouais, étrange. Du coup, peut-être... Est-ce que sur... peut-être on peut regarder sur... Oui. Sur Aware, s'il y a un truc, parce que elle a l'air d'être, d'avoir quand même eu un parcours important, mais sur la page, il n'y a rien écrit. Donc... Il n'y a pas écrit grand chose autre que des trucs qu'un biographe a l'air de kiffer, quoi. C'est un peu spé. Ah bah, tu vois, par exemple, là, il y a un article de Art UK qui dit la pionnière radicale du vorticisme. Déjà, le vorticisme, c'est particulier, quoi. Ouais, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il faudrait d'abord que j'ouvre Aware et après j'ouvre. Oui, je pense. Je vais trouver comme ça. Oui, il y avait écrit. Ok. Donc Aware. Mais tu reviens. Non. C'est moi les câlins. Fais de l'ASMR, on a demandé. Non, mais le chat n'est pas. Ne réagit pas comme ça, tu sais. Attends. De l'ASMR ronron. Allez. J'arrive pas à cliquer. Pourquoi ça marche pas là ? J'ai cliqué 6 fois. Bon voilà, Helen Saunders, ça n'a rien à voir. Donc j'ai ouvert l'article de Art UK, on va regarder ce qu'il y a. Un petit gonganou, elle dit Barbara Epworth, déjà fait. Merci. Je ferme. Je regarde rapidement l'article là que je lis vite fait en anglais. Là. Il n'y a pas de rétrospective en 1939, d'accord. Elle n'a pas été présente dans les musées. Ça a été mis de côté. Comment il y a des photos, on va regarder ces images en même temps. Si vous estimez le pouvoir de l'amour des ouais, donc il y a des images quand même de son œuvre. Donc ça, c'est son autoportrait apparemment. Donc ça, c'est paysage avec des arbres. Paysage avec des personnes. Paysage avec des cottages. C'est des maisons, les cottages ? Oui, c'est des maisons. Donc, tu préférais que je dise paysage avec des maisons, vu que j'ai dit avec des arbres, avec des personnes, c'est ça ? T'aimais bien la blague ? Un cottage. Ah, mais tu vois. Faut pas être attendu hein, sur les blagues. Hein. Et là, tout d'un coup, on passe sur de la composition abstraite. C'est très, très étrange. Hein. On dirait, tu vois, c'est le travail est très, très différent, quand même. Hein. Entre ça, ça... Et ça, c'est et pas ça, elle, ça, c'est mais bizarre. Mais c'est le truc de Simon Martin Art. C'est une galerie. Je comprends pas, du coup, pourquoi il y a ça. C'est quoi, c'est quoi la différence, quelle... Là, c'est une suffragette. Donc, du coup, en fait, on n'a même pas l'histoire des... Comme quoi, elle était suffragette, par exemple. Pourquoi il y a des... Pourquoi on tombe sur des caricatures de suffragettes en train de se faire torturer ? J'ai du mal à saisir. Donc, avec sa pote, bien sûr, peintre, et amie Helen Saunders. Donc, Helen Saunders, on l'a ouverte ? Non. On n'a jamais ouvert Helen Saunders, et pourtant on l'a vu dans le truc. Elle a signé le manifeste du mouvement en 1914, et c'est les seules femmes du groupe. Mmh. Je me souviens de Ezra Pound. Comme... Oui, on l'a vu tout à l'heure.
Attends, je vais ouvrir tout comme ça. Je vais ouvrir tout parce que j'ai l'impression que c'est des pages. Et là, il y avait page Wikipédia et après, il y avait autre. Peut-être qu'on devrait regarder en anglais en fait. Je suis en train de me dire ça, mais parce que là, on est en train de chercher du côté français, mais on va changer. Tu veux une émission juste pour toi? Alors, ah bah il y a plus de choses, voilà. Je vais devoir traduire. Allez hop, c'est parti. Donc, vous, bonjour, bienvenue sur. Non, c'est bon, t'inquiète, je le fais tranquille. Bon, alors sa vie, on a parlé de la Slade School of Art en 1902-1903, ça c'est bon. On a. Elle a contribué à plusieurs illustrations d'avant-garde dans le magazine Rhythm. Pendant juillet 1912, elle a montré plusieurs paysages. Et elle a eu des reviews, donc des retours favorables de l'association d'artistes alliés. Et ensuite, elle a exposé à Ferguson avec Ferguson et S.J. Peeple en 1912 à Stratford Gallery, qu'on avait déjà vu de l'autre côté en français. 1912. En 1912-1914. Bah après, il y a de la monstration quand même dans une revue, donc c'est peut-être un peu plus tôt. Elle est, voilà, donc le salon d'automne, on l'a vu, et ensuite elle a exhibé, voilà, elle est fauviste. Donc après un moment, ouais, il y a une influence. Et ensuite il y a l'influence fauviste qui a ramené plusieurs de ses croquis à l'Académie de la Palette. Donc ça, c'est pour ça que ça l'a ramené à la Palette. Ok. Donc après il parle du vorticisme et la guerre mondiale. Est-ce qu'il y avait des choses que j'ai pas dites et qu'il manquait des trucs, par exemple à participer Oui, il parle le groupe. Dans le groupe, ils disent qu'il y avait que elle et Ellen Saunders. Et d'ailleurs, j'ai pas ouvert Ellen Saunders, donc je vais l'ouvrir maintenant. Kate Lechmaier, c'est la cofondatrice du groupe. Elle est peintre aussi. Elle est peintre aussi. Elle a fondé en donnant de la thune Blast et le centre d'art rebelle. Donc ça, on l'avait pas vu, l'art rebelle, je crois. Elle a eu des difficultés donc du coup de relation. Ça, c'est qu'on l'a vu, les difficultés de relation. Ils ont recité la même chose, donc du coup là, c'est plus en mise à jour. Ils disent qu'en 1925. Elle a refusé de continuer plusieurs dessins pour lui, et vu qu'il était à court de thunes, mais il apparaît que ça a mis à fin à leur amitié en 1928 quand elle lui a donné un peu de fonds quand même. Il a coûté des sous, ouais. Bon, là c'est pas très intéressant parce que ça parle des thunes. Donc la relation de Lechmer, bon, ça c'était la fin de la relation, on l'a vu. Lechmer avait mis toutes ses thunes pour payer le centre de l'art rebelle, où les vortistes se sont premièrement rencontrés en 1914. Le fait que Lewis a dû admettre Ouais, donc après, voilà, en fait, ça, c'était déjà écrit dans le côté français. Après, là, il parle de T.S. Eliot et Ezra Pound. Donc ça, on l'a déjà vu. L'illustration des poèmes. Ça, on l'a déjà vu. Et du coup... Là, ouais, c'est la même chose. Hein. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal la même truc. Après, il y a écrit... Il y avait moins de choses du côté français, quand même. Mais... She exhibit with Charles Jenner and Barbara Edward. Ouais, ça, on a lu tout à l'heure. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. Ok, bon, bah voilà, on a fait un peu le tour. Ah, il y a Catherine Dawson-Gill, là, tout est tulle. En bas, là. Moderne watercoloriste. Ouais, mais là, ça a l'air d'être une belle page, bien garnie. Ok, bon, il y avait des choses qui étaient complexes. Je vais enlever la version, mais on va regarder d'abord les œuvres, et après, on va la mettre, du coup, en 1900. On avait dit 10 et quelques, je crois, c'est ça ? 12. Oui, elle a montré trois paysages, ça, et elle a eu des retours favorables. Mais avant, elle a contribué à plusieurs illustrations dans le magazine Rhythm en 1911. Donc 1911. Ouais, 1911. Ok. On fait ça. Donc, on va regarder du côté de Google d'abord. Et je te rends le micro. Tu rends le micro au chat. Bonjour. Tu veux toujours pas dire bonjour ? Non, elle veut toujours pas dire bonjour.
Elle n'est pas radiophonique. Non mais si, elle est radiophonique, mais que quand elle est à la fin. Donc là, c'est pas le cas, tu vois. Enfin, c'est bon, quoi. Donc là, c'est sa période du coup, constructivisme, abstrait. Ça, c'est aussi abstrait. J'apprécie beaucoup. C'est un peu très moderne en final maintenant. Donc, ça t'adores. En fait, ça dépend. Parce qu'il y a des personnes que j'adore en fauvisme, mais là, j'aime pas. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec les paysages. Hein, faut le savoir. Aimable. Elle n'est pas aimable. De qui, Ninou ? Ouais. Tu comprends, elle a dit, elle n'est pas aimable. T'es pas aimable. Prends ça. T'es bien, ça ? Ouais. Parce que je regarde tout seul, hein, pour la première fois. J'ai regardé jusque au landscape. Ça, c'est intéressant aussi. En fait, elle a inspiré beaucoup de graffeurs. C'est ça. Parce que là, entre ça et ça, c'est très grave hein, comme histoire. Mm-hmm. Enfin, comme base, plutôt. Et là, il y a plein de trucs, là, regarde. Bla, 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 bla. Tu vois. Donc ça, c'est le magazine Blast, voilà. Qu'on avait déjà vu, du coup. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait participé. Mm-hmm. Parce qu'on avait déjà vu ce magazine. Alors, c'est pas mal, ça. Je suis pas sûr que ce soit Blast. Ok. Jessica Dismore, 1911. J'aime bien son boulot. Ouais, bah, c'est cool, hein. 1911. Est-ce qu'il y a du people en 1911 ? Oui. Ah, oh. T'as de la chance. Hein. C'est les dates que j'aime bien. De la chance, moi je dis. Pourquoi il y a un décalage incroyable entre les trucs ? Ah oui, non, c'est parce que j'ai copié. Mais, j'y vais. Bon, tant pis. Je corrigerai les décalages un jour. Non mais... Nick ! Ah, c'est bon. Non mais il veut pas en fait, il me saoule. Oh ! J'en peux plus de ce truc. Moi, j'ai une super chanson dans la tête. Hein. Je sais pas ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, mais... C'était quoi ta chanson ? C'est le moment de la partager. C'est la chanson She a Spacer. C'est a Spacer. C'est Spacer de... comment ça s'appelle ? De Sheila. Non, c'était la première. C'est pas elle qui l'a chantée en première. Elle l'a interprétée en version française, c'est pas la même chose. Non, elle chante en anglais. Ah oui, c'est vrai que c'est possible que ce soit Dalida. Ouais, c'est vrai. Dalida, t'as dit toi ? Bah oui, c'est ce que t'as dit. Non, j'ai dit Sheila. Ah bah, je sais pas. Non, c'est Dalida. Je pense que c'est Dalida. Je rajoute les artistes qu'on vient de rencontrer dans notre chronologie future. Académie de Palette dans notre groupe. On verra du coup plus tard. Ezra Pound, qui était un homme. Un poète, spécifiquement. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert ça. T'as ouvert tout. Et Lewis aussi. Ok, j'ai tout ouvert. C'est bon, on a fini. J'enlève l'avertissement. Je pense que et ça devrait aller. On met la petite coche. D'abord, j'enlève l'avertissement. Ça ne te dérange plus. Et où est-ce que c'est là ? Ok. Ensuite, du coup. Hop. Mais non, t'as mis même pas un check. C'est le check de 13 bis, ça. C'est le 13 bis check. Si vous voulez aller voter pour le 13 bis check. Ok. Hélène Agar. Alors, un artiste qui est née en 1899 à Buenos Aires et qui est morte en 1991 à Londres. C'est une artiste peintre et photographe anglaise qui a côtoyé le surréalisme. Elle va quitter en 1911, elle va quitter l'Argentine pour Londres
où elle va s'inscrire à la Byam Chow School of Fine Art en 1919, puis à l'Underwood School of Painting and Sculpture. En 1926, elle rencontre l'écrivain hongrois Joseph Bard, et il s'installe à Paris en 1928 et elle rencontre André Breton et Paul Éluard. En 1936, Hélène Agar participe à l'exposition surréaliste internationale de Londres, où elle présente trois tableaux, dont Quadriga et cinq objets. En 1937, elle fait un séjour à Mougins avec Paul et Nuche Éluard, Picasso et Dora Maar, Roland Penrose et Lee Miller. Alors, toutes les femmes qui ont été citées là sur cette phrase, on les a rencontrées. Hein. Nuche Éluard, on l'a rencontrée, et Dora Maar aussi. Pas l'air d'avoir grand-chose. Donc Lee Miller qui réalise elle un portrait. Jusqu'en 1940, elle participe aux expositions surréalistes organisées à Amsterdam, New York, Paris et Tokyo. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1985, Hélène Agar connaîtra pas moins de 16 expositions monographiques. Je pense qu'il y a une page sur elle en anglais. Je dis ça, mais je pense que... Il y a même une photo d'elle. Tu veux... Attends, juste regarde, regarde s'il y a plus de trucs. En bas, en bas, en bas. Ok, il y a plus de trucs. Bon, bah, allez, hein. Alors... Ah, c'est séparé par année, tu veux quelle date? Non, mais je sais pas, on va... Là, c'est âgé de 6 ans, je pense qu'on peut commencer. Ouais. Bah, donc, on nous a dit de toute façon qu'elle allait quitter, qu'elle avait quitté l'Argentine. Donc, en fait, elle est encouragée par sa prof à continuer à développer son art quand elle est dans sa deuxième école. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, Agar a été envoyée à la Tudor Hall et ensuite à Kent pour éviter les difficultés liées à la guerre. Son professeur de musique, Horace K. Steven, a introduit Agar à différents artistes, en particulier à Charles Sims, qui l'expose avec des travaux de jeunesse de Paul Nash. Au premier moment où elle était avec Sims, Agar a dit « Je me suis retrouvée dans un milieu de l'art. » Ok, bonjour. Viens Nina. Nina. Mais j'ai un chat devant l'écran qui petit m'empêche chat. De lire. Petit chat. Elle fait ça quand je suis en stream avec la vache. Ah. Elle veut montrer son cul pour qu'on soit banni. Allez, viens. Elle en a trop marre. Allez, viens. Ah. Excusez-moi, Twitch. bonjour. C'est ta fait rire, ça. C'est nul. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure en portant. Donc, avant que la guerre se termine, Agar va rejoindre l'école demoiselle. Il n'y a plus personne dans le chat pour rigoler avec toi. Demoiselle Ozanne pour. Pour renforcer son français et elle va prendre des cours de peinture, des cours hebdomadaires de peinture à l'huile à la Byam Chow School of Art à Kensington, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle va trouver cette école trop classique et elle va demander à sa famille de l'autoriser à regarder à d'autres endroits, enfin à fréquenter d'autres endroits pour continuer son apprentissage. Donc elle va réussir, elle va noter dans son journal on s'en fout ça, pas Hector Bag, ok. Bon, en gros elle est partie de chez ses parents quoi pour faire sa life. Entre 1920 et 1921, elle va étudier sous les cours, enfin avec Léon Underwood dans l'école de Brook Green.
C'est là qu'elle va rencontrer, elle va devenir amie avec Blair Hughes Stanton et Gertrude Hermes, entre autres. Alors, est-ce que Blair Hughes Stanton et Gertrude Hermes, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? C'est la deuxième ligne de ce paragraphe. C'est un homme. Oui. Voilà. Alors, entre 1921 et 1924, elle étudie à temps partiel avec Henri Tonk à la Slade School of Fine Art de Londres, aux côtés de Rex Whistler et Cecil Beaton. Attends. Ah, pardon, excusez-moi. Merci. Je voulais regarder Cecil Beaton. Ah, mais demande. Cecil, c'est un nom d'homme aussi Ok. Et donc, il y a aussi son premier mari qui s'appelle Robin Bartnett. Quoi ? Agar va résister à son style de vie. She was privy to and pointedly refused to make use of the Rolls Royce her parents sent to pick her. Ok, donc en gros, elle veut pas, parce que ses parents devaient être riches, donc ils lui ont envoyé des Rolls Royce pour aller la chercher à l'école et à chaque jour, et elle ne voulait pas. Participer, elle ne voulait pas continuer à faire ça. Donc, avec Bartlett et les autres, Agar a voyagé en France et en Espagne. En 1925, elle s'est mariée avec Bartlett. Et la même année, elle va détruire la majorité de son travail de jeunesse. Les deux vont vivre dans une maison à Dieppe. Et Agar décrit Bartlett comme... Je sais pas, j'ai pas envie de traduire. De Escape Hatch, Witch Film, je sais pas ce que ça veut dire. C'est mauvais. Ok. En 1926, Agar a rencontré un Hongrois. Joseph Bard et avec qui elle va partager les 50 années qui ont suivi et qui va développer une passion pour les bijoux qu'elle va intégrer dans son travail artistique. Entre 1927 et 1928, Agar et Bard vont vivre à Londres. Mais ils vont aussi aller à Portofino en hiver, où Agar va rencontrer Ezra Pound, avec qui elle va devenir amie. En 1928, Agar et Bard déménagent à Paris, et c'est là qu'elle va rencontrer les surréalistes André Breton et Paul Éluard, avec qui elle a des relations amicales. Dans la période 1928-1930, Agar a étudié avec l'artiste cubiste tchèque František Foltlin. Et ensuite, ils nous disent qu'avec Pound, Agar va visiter le studio de Constantin Brancusi, que vous pouvez aussi visiter, qui est à Paris. On peut aller visiter la reconstitution de l'atelier de Constantin Brancusi. En 1930, Agar va retourner en Angleterre et elle va peindre ses premières pièces surréalistes, dont The Flying Pillar, basé sur le manifeste surréaliste d'André Breton. Agar décrit sa pièce dans ses mémoires, comme le premier essai d'une approche imaginative de la peinture et aussi le... Elle disait que le résultat était surréel et que ça n'avait pas été fait c'était pas son intention première. Et elle a aussi dit que les surréalistes étaient en vogue. C'est ça, was in the air in France. Elle avait le vent en poupe en France et poète. Et les poètes en France et ensuite en Angleterre embrassaient cette beauté endormie, troublée par les cauchemars. On n'a pas envie de savoir. The Flying Pillar a été plus tard renommé les Trois Symboles et était décrit par Agar comme la référence
à la fois à l'art grec et à Gustave Eiffel. Ok. Et à sa fameuse tour, donc la tour Eiffel, symbole de la modernité. Sa peinture représente... painting represented... Non, la peinture représentait le monde classique en marge avec la modernité... comment la modernité croise la période classique, quoi. Et dans ce qu'elle a écrit dans son journal en 1928, elle décrit différentes images de ses peintures comme as the meeting place of, qui a montré la Grèce comme le point de rencontre de l'Égypte judaïo-égyptienne and greco-christian culture, donc l'endroit où ça s'est croisé. Suivi par les mots de Judeo-Greco-Pilar. Comme si c'était une note pour garder à l'esprit ou pour le développer plus tard. En 1931, la première des quatre sorties de The Island a été publiée. C'est édité par Léon Underwood et Joseph Bard. Agar va contribuer à l'ensemble des quatre numéros. Et 2 ans après, elle a son premier solo show à la Bloomsbury Gallery. Elle a été membre du London Group en 1934 et elle a fait son premier collage dans cette même année, donc 1934. Est-ce que tu peux me baisser la page, s'il te plaît ? J'en suis à In 1934. Encore, encore. Ah non, mais faut me dire avant. Stop. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? En 1934, je suis fatiguée, j'essaie de lire. En 1934, Agar et Bart vont prendre une maison de vacances à Swanage, Dorset, à Dorset, je sais où c'est. Et c'est là qu'elle va rencontrer Paul Nash et ils vont ensemble avoir une relation aussi bien intense, aussi bien au niveau sexuel que artistique. Wow, je ne sais pas ce que ça veut dire. Très intéressant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En 1935, Nash va introduire Agar au concept de found object, donc je suppose des objets trouvés. Et ensemble, ils vont collaborer à de nombreux travaux, comme Seashore Monster at Swanage. Nash va recommander son travail à Roland Penrose et Herbert Reed, les organisateurs de la... London International Surrealist Exhibition de 1936, qui a eu lieu à la New Burlington Galleries. En dehors du fait que Agar, que le déni d'Agar sur les cartels, c'est ça ? Non ? Que je dis n'importe quoi. Ah non, qu'elle refusait, malgré le fait que Agar a refusé tout au long de sa vie d'être attribuée au mouvement surréaliste. Elle a été la seule femme qui a été présentée dans cette exposition et elle va exposer aux côtés des surréalistes à travers l'Angleterre et aux alentours. Pendant les années 30, le travail d'Agar va se focaliser sur les objets naturels et souvent avec une manière light-hearted, ça veut dire quoi ? Légère du cœur. Légèreté du cœur. Comme Blomterbrock, une série de photographies qui mettaient en valeur des formations de cailloux inhabituels, de rochers inhabituels, qu'elle avait remarquées en Brittany. Elle a commencé à expérimenter avec des techniques automatiques et du nouveau matériel, en prenant des photos et en faisant des collages et des objets. Bonjour. Vous venez de voir l'autobahn de Petit Cancanou. C'est magnifique, bravo. Mais pourquoi elle Elle a utilisé Kappa et voilà. Oh non. Parce que j'ai dit ouais, ça manque les Théo, sauf qu'elle a pas capté qu'en fait c'était un ban. Est-ce que je t'en ban, petit modo Cancanou? Oh non. Surtout que la dernière fois c'était compliqué en plus. La dernière fois il y a Alice Rage qui est passé et du coup c'était compliqué. Je sais pas si tu es une balle du coup, maintenant on va voir que j'aille vérifier. Aïe aïe aïe.
Ah, elle est revenue. Il y a pas... Ouais, c'est triste à dire, mais je crois que... Je crois que tout le monde est à égalité ici. Mais du coup, elle a perdu son statut de modo. Ah, ah. Tous tes pouvoirs ont été... Bah si, 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 si. Si, si, c'est vrai. Et voilà. Ah, oh, t'as perdu ta petite épée. C'est dur, la vie. Au combat. C'est dur, la vie. Oh là là, la pauvre. Ah, oh, c'était magnifique. Il manquait plus que ça. C'est magnifique. Voilà, c'est là où on peut voir qu'on a une modération efficace. C'est qu'on peut ban des modos sur cette chaîne. Et hop, destituer tout de suite. Ouais, c'est ça, dur, hein. C'est ça la démocratie. C'est ça l'état des hôpitaux. C'est ça la réalité dans les hôpitaux. Ah, mais t'as regagné, ça y est. T'as regagné de la vie. Alors, on continue. Donc j'en étais au caillou. Elle va commencer à expérimenter avec des nouveaux matériels et prendre des photographies et faire des collages avec des objets. Son œuvre, The Angel of Anarchy, c'est une tête en plâtre couverte de tissu et d'autres médiums. Et c'est un exemple de ce qu'elle a fait entre les années 1936 et 1940. Et c'est des objets qu'on peut voir à la dans la collection de la Tate. Elle va créer deux versions de cette pièce après la première version qui a été perdue. Et parce que la première version a été perdue sur le chemin de retour d'une exposition à Amsterdam. Elle a fait donc cette seconde version en 1940 en utilisant le même modèle donc, qui était la tête de Joseph Bard, et elle va garder le titre original. Le buste était divisé en deux parties, un avec une fourrure blanche et un avec une fourrure noire. La plus grande partie de la tête qui était couverte avec un green... C'est quoi, Osprey? Ça? C'est un... Je sais pas. Si, c'est... ça doit parler de poils ou quelque chose, et derrière, il parle de plumes. Ah, des plumes d'autruche. Oui, des plumes d'autruche. Ok. Voilà, qu'elle avait reçu de sa mère et qu'elle va utiliser pour les porter comme une tête de robe. Bon, en 1937, Paul Éluard et sa femme Nouche vont rendre visite à Agar et à Bard à Londres, et ils vont voyager à Cornwall avec Roland Penrose et Lee Miller. À ce moment-là, Éluard et Agar ont une aventure. Elle va aussi rendre visite à Picasso et à Dora Maar dans leur maison à Mougins. Ça me paraît bizarre qu'on l'ait jamais vu, cet artiste-là. Attention. Parce que... Tu veux vérifier, Hélène Agar? J'espère que... Bah, de toute façon, c'est la fin de sa page, donc j'espère que j'ai pas tout relu. Eh oui! Mais non, c'est l'épisode 6, c'est celui qu'on est en train de faire. T'es méchant. J'ai pas vu, excuse-moi, j'ai vu l'épisode 6, je crois que c'était le premier 1. Non! J'ai pas tout vu pour rien. Alors, j'annonce, parce que j'ai vérifié, moi, du coup, pour voir si j'allais me faire ban de la chaîne. Du coup, c'est le premier et le dernier des kappas que j'utilise, et je vais même le supprimer. Voilà. Bon. Donc je finis cette page. Donc, elle va être photographiée par Lee Miller. En 1940, le travail de Agar est apparu dans une exposition surréaliste. Va être montré dans des expositions surréalistes à Amsterdam, New York, Paris et Tokyo. Malgré tout, la guerre va interrompre son activité artistique. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, Agar va commencer une nouvelle phase de production dans sa vie, et elle va prendre part à plus de 16 expositions solo entre 1946 et 1985. Et à partir des années 60, elle a produit des peintures tachistes avec des éléments surréalistes. En 1988, elle publie son autobiographie qui s'appelle A Look at My Life. Et donc, bon, après, il y a une truc, on dit, on raconte sa life. En 1990, Agar a été élue
associée à la Royal Academy. Elle va mourir à Londres et la collection de plusieurs musées, plusieurs institutions british, dont la Tate Modern, la Derby Art Gallery, la Bradford et le gouvernement, la collection du UK Government, comprennent des peintures de Hagar. Voilà, et elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise à Paris, dans la tombe numéro 17606, exactement, si vous voulez aller voir. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, là? Moi, je suis pas du tout, depuis tout à l'heure, aux bêtises, là. Bah, il y a eu un ban légitime, voilà. Ok, donc du coup, t'as pas du tout suivi ma lecture, donc j'étais seule sur la traduction. Je me souviens plus de la date de première monstration. Tu veux que je trouve vite? Non, mais je crois que c'était... Et après... Là, elle étudie. Elle se marie avec Bartel en 1926. Ok, 21... Ils vont voir un portofino. Avec le portfolio, période 1928, studied. Elle étudie 1930, encore, elle retourne en Angleterre et peint la première pièce surréaliste, The Flying Pile. Basée sur le manifeste de... Ouais. Là, en 1931, la première de ces quatre, elle illustre, tu vois, elle va publier dans ça. Ça me dit quelque chose, cette page elle me dit trop quelque chose. Tu veux pas plutôt qu'on prenne celui-ci parce que c'est quand même le premier truc pièce. Oui, mais c'est pas montré, ils disent pas qu'elle est montrée, ils disent juste qu'elle l'a fait. Non, tu prends en 1931. Ouais, ok. 31 oui. Ouais. Ça me dit vraiment quelque chose cette page. Alors j'ai jamais dit que t'étais cobaye ni volontaire sur les bannes. Ça, c'est tu t'es autoproclamé clairement cobaye volontaire. Order! 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 Il y a un jour où j'ai dit, dans un truc spécial modo, où j'allais calmer les gens sur les sons. Et ce jour-là n'est toujours pas arrivé, apparemment. Donc, je vous remets la pub. Alors, du coup, Hélène Hagar, c'est parti. 1931. Allez, zoom. Oh, il y a du picot. Oui, c'est parce qu'il y a nous chez Luar, Doramar. En fait, c'est pour ça qu'on a déjà dû. On a dû déjà entendre parler son nom. C'est bizarre que du coup, on l'ait pas vu à ce moment-là. Mais... On l'a peut-être ouverte. Hein. C'est possible que ce soit de la chronologie des femmes artistes, c'est sûr. C'est vrai. Tu vois. Oui, mais parce que nous, chez Loire et Doramar, c'était la saison précédente. On s'écrit... C'est deux E. Deux N. E et Lynn. Ouais. Lynn Agave. Il fut un temps, il y avait de la modération sur cette chaîne. Raving Bell te demande, si on est en dictature, est-ce que j'ai vraiment le choix de mes paroles publiques? Ah bah bien sûr. Bien entendu, tu sais que les dictateurs en général. Alors, moi, j'ai pas dit qu'on était en dictature. Moi, j'aimerais pas qu'on le soit pas, perso. Mais apparemment, sur mon Twitch, c'est un peu le fonctionnement des réseaux sociaux. Il y a rien qui est en groupe, donc c'est compliqué. Et du coup, je te rappelle que certains dictateurs ont laissé la place à l'opposition pour pouvoir mieux les mater. J'ai complètement lâché votre discussion. Moi, je suis dans une autre planète là. Non, mais c'est normal. Tu étais sur la lecture. On va regarder les trucs. Je rajoute Gertrude Hems déjà dans notre chronologie des fabulatures. Voilà. Et on va regarder Hélène Hagar. Parce qu'en fait, on parlait de la modération. Parce que vu qu'il y a eu un ban de modé. De modé. Et de modérateurs, et de modératrices surtout. C'est bon à savoir qu'on peut se faire démodériser, démodérateuriser. Ça, c'est très... Moi, je trouve que c'est très très intéressant. Mais moi, je me fais pas... Par exemple, moi, en tant que modo, j'ai le droit de mettre plein de majuscules.
Oui, jusqu'à... Alors, oui, parce que c'est pas l'automode, mais l'automode, il va te taper. D'accord. D'accord. C'est quoi, ça, gare à toi, l'origine? Alors, si on est en dictature, c'était la question tout à l'heure, j'ai déjà répondu. Ok. Mais Hélène, c'est pas... Ah oui, Agar, c'est parce que t'as mis Gare. Elle a vécu vieille, hein. C'est bien, non? Elle est morte dans les années 90. Alors, chapeau pointu, hein. Pour info, je pars dans 5 minutes, les loups, les gens, les louves, les... voilà, tout le monde. Les loups, les gens, automode, autocorrect, les loups. Elle, c'est elle? Oui, avec son même chapeau. Tu vois, le chapeau, il a changé, et elle aussi. Ouais, un peu. Bah écoute, petit coquin, à la prochaine. Il est quelle heure? Il est tard. 23h. Il est tard. Il est 23h. De toute façon, on fait encore une artiste et après dodo. Hein. Ouais. Faut aller voir Cancan. Tout le monde dodo. Allez voir Cancan, même si elle perd sa modération ici, au moins elle sera toujours chef de son haut lieu du ruissellement. Oh, oula, 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 attendez, Twitch, tout ça, on devient prude. Hein. Donc ça, c'est son travail, alors, collage. On voit pas très bien. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais... qu'est-ce qu'elle a, aujourd'hui? Descends, le chat! En plus, tu vas montrer ton cul à la caméra, on te connaît. Petit chat. Mais pousse-toi. Ouais, t'es en train d'exploser la tête aux gens sur les... Mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, encore. Again, je dois censurer son cul. Avance. T'es bien. T'es bizarre, hein. Censurer les culs des chats comme ça, c'est pas mon boulot. Ouais, bah après, c'est surréaliste, quoi. C'est un peu la même veine que... Ça ressemble à beaucoup de trucs qu'on connaît en France. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait participé à des trucs de design, hein, par contre. Il y a des trucs qui ressemblent beaucoup. Hein. Ah, Angel of Anarchicacia? Elle t'a griffé? Mais non, je voulais faire ASMR ronron, parce qu'elle a ronronné. Mais ça s'entend grave. Hein. Si tu pètes là, tout le monde t'entend. Hein. Ah mince, je savais pas. On m'a pas prévenu. Bah disons qu'il y a des gens qui entendent le fait qu'il y a des coups de voisins, voisines, donc je te préviens quand même à l'avance que c'est possible qu'on entende. D'accord. Bon bah c'est cool, hein, y a des trucs bien, hein. J'imagine que cette photo est archi bien, sauf qu'on va pas pouvoir la voir. Bizarrement. Étrangement. C'est dommage. Franchement Twitch c'est pas drôle. Hein. Hélène Agar se donne... Ah, et on finit par le morceau, la France, madame, la France. Allez, Orlan. Non, mais sa page Wikipédia, elle est infinie. Elle est infinie, c'est obligé. Allez. On n'a jamais fini, c'est parti. Franchement, là, je vous dis, on est parti pour au moins 1h du matin. Non, 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 il n'y a pas de 1h du matin. Déjà, elle est encore vivante, sachez-le. Oui. Donc elle a 74 ans, alors portrait de l'artiste en 2021, alors elle est très retouchée, hein, la photo. Bah, elle est connue pour ses retouches. Oui, non, mais là, elle a la peau ultra lisse, quoi. Oui, 74 mais elle est très connue pour ça, n'oublions pas. Allez, on y va. Alors, Mireille Porte, dite Orlan, pseudonyme qu'elle écrit Orlan en majuscule, en lettres capitales, est une plasticienne transmédia et féministe française, née le 30 mai 1947 à Saint-Étienne. Elle vit et travaille entre Paris, New York et Los Angeles. Elle pratique la peinture, la sculpture, la photographie et la vidéo et réalise des installations et des performances. Elle utilise également les médias numériques, la robotique, l'intelligence artificielle et la biotechnologie. Les biotechnologies. Oh non. Ça, franchement, on ne sait pas si on la met encore. Hein. Moi, mais elle fait de la peinture. Elle a fait de la peinture au début. Ouais, donc ouais. C'est obligé. Alors, c'est obligé qu'elle est dedans.
Donc elle travaille donc sur différents supports, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est une des artistes françaises de l'art corporel. Son œuvre se situe dans différents contextes provocateurs, légitimés par son engagement personnel. Dès les années 1960 et 1970, Orlan interroge le statut du corps et les pressions politiques, religieuses, sociales qui s'y inscrivent. Son travail dénonce la violence faite au corps et en particulier au corps des femmes et s'engage ainsi dans un combat féministe. Elle fait de son corps l'instrument privilégié où se joue notre propre rapport à l'altérité. Ce travail d'Orlan sur le corps se fait notamment par le biais de la photographie. En 1976, par exemple, elle parcourt les rues parée d'une tunique sur laquelle est représenté son corps nu. Dans la même période, au Portugal, elle propose sur un marché des photos correspondant à des morceaux d'elle-même. Un bras, un bout de poitrine, etc. En 1977, lors de la Foire internationale d'art contemporain, la FIAC, au Grand Palais à Paris, elle est vêtue d'un tablier représentant là encore une photo d'elle, nue, des épaules au bas du bassin, et propose aux visiteurs pour une somme modique à glisser dans une fente prévue à cet effet, un baiser de l'artiste. Est-ce que tu peux avancer dans la page, s'il te plaît ? Après, en 1978, elle crée le Symposium international de la performance à Lyon, qu'elle anime jusqu'en 1982. Son manifeste de l'art charnel, Carnal Art Manifesto, est suivi d'une série d'opérations chirurgicales, performances qu'elle réalise entre 1990 et 1993. Avec cette série, le corps de l'artiste devient un lieu de débat public. Ses opérations chirurgicales, performances, ont été largement médiatisées et ont provoqué une vive polémique, bien qu'elles ne représentent qu'une infime partie de son œuvre intégrale. Orlan explore également l'utilisation de nouvelles technologies dans les domaines de l'art. En 1982, avec Frédéric Develay, elle crée le premier magazine en ligne d'art contemporain, Art Accès Revue, sur Minitel. Cette revue convie des artistes internationaux travaillant in situ et ou avec des problématiques conceptuelles à créer des œuvres originales spécialement conçues sur Minitel, par le Minitel et pour le Minitel. De nombreuses œuvres jouent avec le style graphique vidéo-texte ou imitent de manière ironique les serveurs Minitel. Bertrand Venet, Vera Molnar, Ben, François Morlaix, Daniel Buren. Les œuvres sont accompagnées d'essais critiques. Le service donne également régulièrement la parole au public. Une présentation publique de cette banque de données a eu lieu au Centre Georges Pompidou dans le cadre de l'exposition « Les immatériaux » de Jean-François Lyotard. Le service Art Accès a été distribué gratuitement par les serveurs de la ville de Metz, Mirabel. Dans son travail de la fin des années 1990 et du début des années 2000, les self-hybridations, l'artiste, par le biais de la photographie numérique et de logiciels de retouche infographique, hybride des visages de cultures différentes, amérindiens, précolombiens, africains. Orlan tente ensuite d'élargir encore les frontières de l'art contemporain en utilisant les biotechnologies pour créer une installation intitulée « Manteau d'Arlequin », faite à partir de cellules de l'artiste et de cellules d'origine humaine et animale. Parallèlement, Orlan enseigne à l'École nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise. En 2005, elle obtient une résidence d'un an à l'ISCP à New York par l'Association française d'action artistique. Et en 2006, elle est invitée à Los Angeles en résidence au Getty Research Institute, laboratoire de recherche du Getty Center. Elle est représentée par la galerie Michel Rhin à Paris. En juin 2013, elle porte plainte contre Lady Gaga pour plagiat. Pour Orlan, la star américaine, dans l'album Born This Way, sorti en 2011, s'inspire trop librement de ses hybridations. De plus, le début du clip de la chanson homonyme montre Lady Gaga fardée et décapitée et rappelle sa femme avec tête exécutée en 1996. L'artiste demande un dédommagement de 31,7 millions de dollars. L'audience de plaidoirie avait été fixée au 7 juillet 2016 au tribunal de grande instance de Paris. Un premier verdict est annoncé en la défaveur d'Orlan, qui doit alors verser 20 000 euros à la chanteuse. Mais l'artiste décide de faire appel. En mai 2018, la cour d'appel de Paris déboute Orlan en confirmant l'absence de caractère parasitaire du clip vidéo incriminé. Orlan est condamné à verser 10 000 euros au titre de frais exposés à Lady Gaga. Elle reçoit le Grand Prix de l'irréputation 2013, organisé par Alexia Guggemos, catégorie art plastique, qui récompense les personnalités les plus populaires sur Internet, aux côtés de Philippe Stark et Yann Arthus-Bertrand.
Depuis le 18 octobre 2018, Orlan est représenté en France par la galerie Cesson et Bénétière à Paris. En 2019, elle est membre du jury du Hopline Prize, le premier prix d'art contemporain en ligne. Pendant le confinement lié à la pandémie du Covid-19, elle écrit son autobiographie dont la parution chez Gallimard est prévue le 3 juin 2021. Bah c'est pas sorti du coup. Bah si, on est... c'est déjà passé le 3 juin 2021. Oui mais il parle... elle écrit son autobiographie mais elle est pas sortie. Bah je pense que si. Hein. Ok, bon, ça c'est intéressant du coup. Ouais, donc là vous avez la liste de toutes ses œuvres. Il y a beaucoup de choses. Hein, vous les œuvres emblématiques. Il y a des super bons trucs hein, de Roland quand même au final. Mais oui, il y a des histoires spéciales aussi. Bah ouais, enfin franchement, passer un peu de temps sur ses œuvres pour regarder ce qu'elle fait en détail, parce que ça vaut le coup. Bah d'être au courant déjà, parce qu'en fait c'est une artiste qui a fait beaucoup hein, au final hein, pour la France déjà, mais pour le numérique surtout au final. Et après ouais pour les femmes aussi beaucoup, parce que la plupart de ses œuvres, comme c'était dit, sont à dénonciation constante. Hein, donc voilà. Là, vous avez les expos jusqu'à maintenant, quoi. Enfin... Ouais, il y a... Alors, jeux vidéo, c'est possible aussi, parce que Orlan, en fait, elle, comme c'est une artiste transmédia, ça fait partie des personnes qui touchent vraiment beaucoup de choses. Et donc, vu qu'elle était dans les petits papiers, déjà, de la France au moment du Minitel, il y avait moyen de faire pas mal de trucs. Si tu remontes dans la liste de ses œuvres, je crois que ce que Raving Bell dit, c'est... Il y a en haut encore... Encore. Le Deep Learning là. Exposition. Attends, je l'ai vu aussi. Voilà. Expérimental mise en jeu 2015. Jeu vidéo dans lequel le spectateur, au moyen d'un bracelet Mios, contrôle un avatar de l'artiste. Le but du personnage est de restaurer des œuvres qui ont été détruites. À chaque progression dans la restauration, le personnage central construit son humanité et finalement le paysage en ruine se reconstruit. Ce jeu est basé sur l'idée que tuer n'est pas jouer. Et c'est intéressant. Et c'est aussi... Il y a aussi du deep learning, bien sûr, parce que c'est... Ça fait partie, comme je disais, des artistes. Par exemple, là, ils parlent de code QR, mais qui, à chaque fois qu'il y a une avancée, est là. Donc, il y a des trucs à voir de Orlan, justement, par chaque avancée, chaque œuvre, du coup, amène son lot de sujets, quoi. Alors, on va regarder du coup les œuvres, hein, parce que c'est... Ouais, on a la date aussi. La date, c'était la première. Hein. La première, c'est très tôt, donc il n'y a plus d'eau si tu veux aller chercher. Bah, c'est avant 76. Ouais, je crois que c'est ça. Bah, enfin, non, enfin, c'est... Bah, non, c'est pas mal. Non, mais la tunique, tu regardes, hein. Il y a toute la liste de ces expos. Hein. Tu vois, œuvre emblématique, Orlan accouche d'elle-même, 1964. Vas-y, on prend ça, hein. Bah, je pense, hein, c'est les œuvres emblématiques. Œuvre emblématique, ça signifie pas non plus première œuvre, mais c'est bien d'avoir. De mettre la date de démonstration pour Orlan. Je pense que c'est très très édité aussi, hein, sa page Wikipédia, faut pas s'étonner aussi, c'est Orlan. Hein. Mais après, du coup, tu as regardé la liste des expos ou pas? Oui, si tu veux, on peut regarder l'exposition rétrospective, 1980, le début. Non, du coup, dans les expos. Année 2020. Non, ça commence par 2010, je crois. Voilà. C'est pour ça que je disais que c'est très édité. Ah, il n'y a pas avant ? Si, regarde 2007, 2010. Je pense qu'il n'y a pas tout. Parce que regarde, c'est année 2000, ouais. Tu vois. D'accord. Et après, il n'y a pas. Donc, je pense que c'est. Et au-dessus, c'est quoi alors qu'un musée du cul ? Ah oui, non, c'est tous les musées qui possèdent son travail. D'accord. Salut, petit cancan. Bah, nous, on va y aller. Salut, aussi, petit cancan. On regarde Google et on y va. Hein. Des bisous. Donc, on fait 1977. C'est ça ? Non, c'était 60. De 64, quoi, la première œuvre ? Ouais, 64. Ouais. Non, mais parce que Orlan, c'est intéressant, mais on va pas pouvoir tout regarder non plus parce qu'il y a tellement de trucs qui sont interactifs que c'est compliqué, quoi. Après, t'as sûrement les premières photos. Oui, bah. Le problème avec Orlan, c'est qu'on risque d'avoir des problèmes de. De zboobs. Parce qu'il y a beaucoup de zboobs de mémoire. Après, dans le début au moins. Après, je sais plus la fin. La fin, je me rappelle pas. C'est quoi ça, du coup, le petit jeu, on joue au binaire, hein ? Je sais pas. 88 ans, naissait Charles K.O. Ouais, c'est ça. C'est
Ouais, enfin, tu vois, regarde salut, sa photo, elle est ultra éditée, parce que quand tu vois la tête qu'elle a... Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je te dis. C'est... Il va y avoir beaucoup de photos d'elle, de sa tête, ouais, beaucoup de selfies, je pense, aussi. Je vais rajouter juste Véramar, parce que pendant que ça charge, là, parce que... Hop, chronologie. Véramonnar, plutôt. Ça veut... Il y a tellement d'images que ça veut pas charger. Il a dit « Safe search, ça marche pas ». Ah alors, est-ce qu'on ouvre celle-ci? Parce que celle-ci, elle est pas mal, là, le Covid de vulve. Des vibes Cruella, mais alors depuis très longtemps. Hein. Ah, depuis très longtemps. C'est la première Cruella, hein, je pense, hein, officielle, depuis le début. Et vous, voyez, hein. Vous voyez les ajouts qu'elle s'est rajoutée, ces augmentations, justement, qu'elle a fait sous sa peau et qui... au fur et à mesure, se modifie avec le temps. Hein. Là, on peut le voir un peu plus, mais ouais, il y a de la chirurgie plastique et de la modification. Donc voilà, elle a mis à jour, par exemple, son œuvre à côté. Donc c'est son robot elle. Là. Ouais, celle-ci, c'est la plus connue. Donc alors, je vous laisse imaginer. Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte aussi. Et du coup, c'est Notre-Dame de Paris. Un plan, oui, c'est ça que je cherchais comme temps. Mais c'est Notre-Dame de Paris. Et je vous laisse imaginer ce qu'elle va pouvoir faire avec Notre-Dame de Paris en feu. Je pense qu'il y a moyen de faire. Orlan Capital. Ouais. Donc ça, c'était rétrospective d'une œuvre plénière, donc ça doit être le titre. Ouais, mais du coup, c'est surtout son visage, en fait. On voit pas son travail. Peut-être si tu vas sur son site. Est-ce que si tu vas sur son site, tu trouves des trucs? Oui. T'as pas envie, t'as peur de te faire attaquer par... Non mais non, on va se faire défoncer partout. Déjà, il y a plein de récupérations, site d'images d'autres cultures. Bah, sur Aware, au pire. Ouais, sur Aware, ça va être safe. Il y avait une image de Aware au-dessus. Là, celle où tu voulais cliquer. Ouais. Parce que du coup, ils vont sûrement mettre une sélection de... Des œuvres, ouais. Notre-Dame on Fire. Ouais, bah déjà, d'ailleurs, moi j'ai toujours bien aimé aussi tant que ça l'a fait un super truc. Ah, c'est une interview. Et ben, je cherche Orlan sur. Notre-Dame en feu qui est parti, mais tellement vite. Ça ne cherche pas. Ça charge pas. Ça charge, ah. C'est juste que ça prend du temps. Celle-ci, ça va encore. Donc ça, c'est Orlan, grand odalisque d'Ingres. C'est pas possible. Défiguration, refiguration. Selfie, ça, c'est les mélanges. Précolombienne, ouais. Ça, c'est les mélanges, ouais. Avec les cultures différentes qu'elle a prises. Avec un peu de réappropriation. La liberté en écorché. Voilà, donc ça c'est les trucs, et ça c'est du coup autre. Mais du coup, ouais, c'est très très sélectionné, hein, encore une fois. Mais il y a plein de photos de... Normalement, elle a fait des collages et tout ça. Ouais, mais tu sais, il y a des trucs, je pense, qu'elle arrive à faire disparaître aussi de Google. C'est archi faisable. C'est archi faisable qu'elle soit à ce point-là. Non? Oui, c'est possible. Je vais regarder du côté de Startpage, parce que c'est possible que Startpage y ait plus. Moi, ça m'étonnerait pas, parce qu'en fait, Orlan, c'est un peu ce style-là de très éditer les trucs pour pouvoir avoir juste ce qu'elle a en idée, en fait. Donc, du coup, c'est possible. Tu vois, on retombe toujours sur les trucs un peu mécaniques depuis 2000, en vrai. Elle a dû fermer beaucoup de choses. En tout cas, je vous propose plutôt d'aller voir ce qu'elle fait. Parce que c'est vachement bien, quoi. Bah, en fait, elle parle du... Je réponds à Eva Samaï. Comme elle fait des hybridations en allant chercher des sculptures, je pense surtout, enfin des masques et tout ça d'autres cultures. Du coup, oui, je pense qu'on peut quand même... Enfin, elle s'approprie cet imaginaire-là pour le mettre sur son visage. Du coup, c'est... C'est en partie de l'appropriation.
Ça, il y a des trucs, il y a des images, je me dis, mais wow. Là, elle est en train de lire Michel Serres, habillé en arlequin, couché, c'est un truc, quand même. Ça me fait trop rire. Et du coup, ouais, les opérations, elles sont visibles en vidéo. Là, on le voit déjà ici. Mais elle s'est filmée pendant les opérations. Ouais, c'est une performance, en fait, son opération. Donc, on peut voir des images, ouais, un peu choquantes, hein, justement, de... Bonjour. Je vous montre vite fait ça, mais ça c'est trop marrant. Ça. Ouais, donc il y a pas mal de trucs, mais comme vous avez pu remarquer, c'est un peu très dirigé vers sa personne. Donc, du coup, comme on parlait de son propre corps dans en jeu, quoi. Voilà, et du coup, j'imagine que c'est ça qu'elle a dû attaquer pour. Pour Lady Gaga. Bon. Après, oui, c'est. Quid du photoshopage? Bah, photoshopage égale. Bah, en fait, ça te protège juridiquement le photomontage. Après, est-ce que ça te protège moralement? Je suis pas sûr. Quoi. Ouais. C'est ça le truc. Ça te protège juridiquement pour moi. Après, je pense que c'est son jeu aussi hein, de jouer sur ça. Donc voilà. Je pense qu'on verra dans la suite. Hein. Moi, je suis pas. Ouais, c'est ça. Il y en a pour longtemps. Et je suis pas non plus le plus à même de pouvoir le dire. Quoi. On est là, Ah ouais. Là, c'est pareil, tu vois. Ça, c'est la machine. Avec la pièce et le baiser, donc la première, une des premières qu'on voit ici. Mais en fait, il y a des boobs dessus, donc voilà. Oui, elle a mis son propre corps en image sur elle, quoi. Donc en fait, vous mettez une pièce en fait au niveau de sa trachée, vous récupérez s'il y a de la monnaie au niveau de son bas ventre, et vous avez le droit au baiser de l'artiste. C'était un peu l'idée du truc. Voilà. Bon, on va arrêter avec les zbouffs, parce que là, j'ai l'impression de trouver des zbouffs partout, dans toutes les pages. Bah, en tout cas, mettons Orlan sur la frise, ouais, et ça clôturera... Ça, c'est cool. On finit sur notre épisode d'aujourd'hui. C'est toujours bien, quoi. Je vais juste valider directement du côté de Discord, comme ça, ce sera fait. On sait de toute façon la date. Hop. 1964. Je crois que, du coup, ça sera de ce côté-là, en fait, parce qu'on... Ouais, c'est ça. À côté de Diane Arbus. Ah bah oui, c'est les plus contemporaines, quoi. D'ailleurs, j'avais oublié Lindy Lee. En fait, on a déjà dérogé à 1980. Ouais, on a mis 82, ouais. Gwendoline Knight, c'était vachement bien aussi, j'avais bien aimé son travail. Et ce mood d'Orlan sur fond de Covid. Eva Samaï, est-ce que tu veux qu'on te fasse la promo de ta chaîne YouTube? Parce que j'ai vu que tu l'utilisais plus beaucoup en ce moment, mais je suis allé voir 2-3 vidéos, moi. Il y a moyen. Hein. Ouais, c'est toujours un truc. Moi, ça me. Je sais pas, moi, j'aime bien faire des mises à jour avec Orlan pour voir ce qui se passe. C'est toujours intéressant. Toujours des trucs à regarder. N'oublie pas de modifier 64 aussi. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis la date. Ok. Moi, je vois plus rien, il y a le chat dessus. Il y a rien qui se passe. C'est l'instant pub. Si vous voulez faire votre pub, c'est le moment de faire la pub. Tapez pub. D'accord, ça reste dans les normes, ça marche. C'était juste pour savoir, parce que justement, moi, je suis allé voir, du coup, en fait, je suis tombé dessus, je crois, parce que, bon, j'ai pas grand-chose en suivi sur YouTube, mais je suis tombé sur ta chaîne. Ok. Donc, c'est l'instant pub, vous pouvez voir actuellement en dessous que nous allons sans doute nous retrouver lundi pour Chronologie des femmes artistes. Du coup, ça sera avec Cybertopia, j'allais dire. J'avais mélangé Artube et Cybertopia en même temps. Hop, je vous envoie du coup les chaînes sur lesquelles on sera en live et en direct.
Alors, je sais pas si Anartube va faire la diffusion. Je pense que ça va être chez Cybertopia, parce que c'est Anartube qui anime. Du coup, l'idée, c'est que nous, on va augmenter notre liste de biais avec nos présentations, entre guillemets, plus personnelles. Si ça va être un peu ça, je crois. On va parler surtout de la frise, mais bien entendu, on va essayer de parler de un peu nous. Aussi. De nous, de notre positionnement. La démarche, qu'est-ce qui nous a amené à faire cette frise, comment on l'a fait, qu'est-ce qu'on a fait comme choix pour vous présenter les artistes, est-ce que ce choix est un choix militant ou ne l'est pas, voilà, c'est un peu la question, c'est un peu de ça dont on va parler, c'est-à-dire... Est-ce que de mettre des femmes uniquement dans une frise chronologique est un positionnement politique? On va aborder plusieurs choses, mais on va aussi aborder les questions des outils qu'on utilise, comment on vous distribue les infos, la question de la modération, enfin tout ça va être un peu abordé de manière plus précise. Donc si ça vous intéresse de connaître un petit peu ça sous une autre facette que ce qu'on vous montre le jeudi soir, et ben vous êtes les bienvenus. Sachant qu'en vrai, c'est ce qu'on en discussion pour faire une sorte de teaser du truc, c'est que en vrai, quand on fait les biais, c'est principalement les biais de l'objet. De la frise, ouais. C'est pas nos biais. Nos biais spécifiques. Après, on a des biais, bien entendu, insérés dans le biais de la frise, parce qu'on est en ingérence directe avec, en vrai. Donc, en ingérence et en gérance. Hein. Je sais pas si on peut dire les deux. Alors, toi, tout de suite, non, tout de suite. Je t'ai attrapé le chat. Tu vas pas monter sur le bureau. Bah, après, c'est aussi l'occasion, si vous avez des. Mais elle est relou. Qu'est-ce que tu fais? En plus, elle s'étire, genre, non. Mais en plus, tu te colles. Tu veux qu'on te regarde, c'est ça? Il y en a marre. Alors attendez, je vais prendre en photo parce que là, elle est vraiment en mode. Regardez, moi aussi, je fais partie de la frise. C'est magnifique. Tu veux être en quelle année? Attends. Positionne-toi bien. Voilà, fais le selfie. Elle est nulle. Du coup, si vous avez des questions un peu de fond plus que de forme, disons. Ouais, faut y aller. Si vous voulez nous poser ces questions-là, ce sera l'occasion. Et puis voilà. Je pense qu'on va vous partager la photo parce que bon, elle est géniale. Ouais, moi je suis au bout de ma vie. Hein. C'est aujourd'hui c'était un peu la journée de l'enfer. Donc ça fait pas mal de temps que je suis debout, pas mal de temps où j'ai couru tout ça partout. Donc c'est là. Je pense que mes yeux, ils sont comme ça. J'ai trop bougé mes cheveux, donc genre les cheveux comme ça, les yeux comme ça. Oui, c'est pas fou. C'est un peu... c'est un peu la difficulté, là. Mais du coup, ça risque d'être un peu plus compliqué pour Nibbler chaque jeudi, donc il faudra lui donner un peu de force. Mais normalement, ça devrait être bon. On se relaiera, parce que là, j'aurais dû lire Orlan, en fait. Non, mais tout va bien. Hein. C'est juste... C'est juste que plus le temps avance et plus je sens mon esprit partir. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, d'ici qu'on se revoit lundi, il y a... Il y a Rémi qui t'envoie du son. Oui, merci. Vous avez... Demain, tu fais un arrache stream. C'est la question. Peut-être, on verra. Donc, soit demain... de toute façon dimanche vous retrouvez 13 bis pour demain on est vendredi donc peut-être samedi remarque. Je sais plus, on verra, la rage stream c'est la rage de toute façon. Voilà, la rage stream c'est quand 13 bis a envie de commencer un truc, vas-y j'y vais et hop. Je dis pas comme ça, je suis quand même quelqu'un de doux qui essaye de prendre soin de soi. Oui, c'est vrai. Tu vois. Dis, vas-y j'y vais. Oui voilà, comme ça. Allez, je lance un stream. Avec le petit truc. Sur... Je m'ennuie un peu, lançons un stream. Je te dirai, mais je suis pas sûr que je serai là demain. Mais on verra, ça dépend de comment je m'organise. Voilà, mais en tout cas, t'es sur le chip stream dimanche, de toute façon, aux horaires habituels. Oui, 14h. En fait, oui. C'est non, peut-être pas, justement, aussi. Ah bon. C'est une autre question. Bon, je vous dirai ça de toute façon ce vendredi ou samedi. Donc trop de mystères quoi. Trop de mystères. Non,
C'est le dimanche, c'est la messe, hein, je suis désolé. C'est la messe, n'importe quoi. Donc, rien à voir. Bon, du coup, on va s'arrêter tout de suite parce que je dis des bêtises, en plus, ça veut dire que je suis fatigué. Voilà, c'est la fin de la chronologie pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve pour le 7. Chip stream peut-être, peut-être pas. Arrache stream peut-être, peut-être pas. Je vais vous tenir au courant pour la suite des événements parce que ça va être ça, le truc. Et je vous envoie le chat qui pose à côté de la frise dans le Discord, si vous voulez aller voir dans le Discord. Et voilà. Puis moi je vous dis à lundi, 18h30, on vous envoie les infos. Bisous. Des bisous. Salut, bonne salut. Nuit. Et des cœurs. Bisous. Il fait un petit montant à la tête.